constaté que c'était la femme de ménage qui, à chaque fois qu'il y avait un check-out, tous les trucs qui n'étaient pas dans les meubles, qui étaient déjà dans l'appartement de base, il les prenait et il les vendait sur le bon coin. Vous avez réussi à démanteler un réseau de... 50% des ministres du gouvernement de Gabriel Attal sont millionnaires. C'est quoi votre avis? Ça va être éducation de malade, leur donner accès à des coachs, à des livres, tout le sport qu'ils veulent, les équipements, tout ça, je paye aucun problème. Et quand je vous clame, rien. Vous, c'est un travail que vous avez fait de manière proactive, de parler à des filles. Après, Canou, il est dans une situation un peu différente. C'est mort subite, celui qui l'a, il gagne. Chaud, gros, je suis chaud. Cheveux longs, barbus, homme, musclé, haut. Oh. Sans permission. Sans permission. Avec Yomi. Oh, Sam. Oh, mais salut, hein, les gars. Comme vous l'avez vu, on est dans un endroit différent d'habitude. Il y a des guns sur le mur. On les voit, les guns? Non. Ah, si, elle les voit pas. Sur le truc des canons, on leur mettra des guns. On fera des inserts, des guns. Ouais, vas-y, continue, enchaîne. On est à Courchevel. On fait un peu de ski. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire un podcast spécial entre potes. Voilà quoi. Merci Antoine pour cette intro bizarre. En effet, on est à Courchevel. Bon, Oussama n'est pas là. Il a été remplacé par son quoi, cousin. Son remplaçant qui est plus grand, plus métis, plus jeune, balèze. Plus balèze, plus beau. Voilà. C'est subjectif. C'est subjectif. T'as vu ce qu'il a mis Oussama dans le groupe WhatsApp tout à l'heure? Ouais, il s'est fait. Mec, c'est tellement drôle. Il a fait quoi? En gros. Tu vois, il y a une photo qui date de 114 ans, on va la mettre à l'écran, et genre, c'est exactement où ça va, mais c'est une photo, c'est pas lui, quoi. C'est un truc... Moi, franchement, je me suis quand même dit que c'était juste parce que voilà, il était un peu fort et qu'il avait une barbe. Non, mec, je trouve pas qu'il y a, il y a une ressemblance de malade non plus, quoi. La tête, il y a un truc. C'est énorme. Pas flagrant, mais... Après, les gens de Twitter, en tout cas, ont cette impression, quoi. Ouais. Ah, c'est un tweet. J'ai surtout l'impression que c'est un truc IA, non? Ouais. C'est reconstruit par une IA, non? Mais je crois pas, c'est un artiste peintre ou un truc comme ça. Qui... C'est abusé maintenant avec les IA, il y a tout le monde qui pense que les trucs qui sont pas IA sont IA. Mm. Genre moi, sur toutes mes vidéos, j'ai une dizaine de commentaires à chaque fois. Ah ouais, c'est une IA, je t'ai grillé, etc. On en parlait ce matin. C'est abusé, les deepfakes, comment ils sont trop bien faits. Ouais, maintenant il y a les clones. T'as vu Canou, quoi. Les inondations à Dubaï, j'ai l'impression c'est IA des fois. Ah ouais. C'est apocalyptique. Non, mais carrément, maintenant ils font des clones. Donc en gros, tu peux te cloner. L'IA prend des. Enfin, utilise. Crée à partir de photos de toi un clone qui peut parler et faire des vidéos. Donc c'est même pas genre, tu vois, on reprend une vidéo que t'as tournée et on change tes lèvres, comme avec Agent par exemple, pour te faire parler une autre langue ou te faire dire un truc que t'as pas dit. Là c'est vraiment, on peut te créer de A à Z, te mettre dans une pièce et reprendre ta voix et te faire dire tout ce que tu veux. Donc en fait, maintenant ce qui est en train de se passer, c'est pour les créateurs de contenu, il y a des versions IA, des versions clones en fait, des youtubeurs, etc. qui sont en train d'apparaître. Et si tu entraînes bien un LLM, un modèle de langage... large là de d'IA, bah tu peux en fait avoir des vidéos qui sont créées à la chaîne et qui sont dans le style d'un certain youtubeur. Donc moi je me demande un peu à quoi ça va ressembler dans un an, quoi. Ça se trouve ça va tellement vite. Ouais, moi je pense, comme je t'ai dit ce matin, il va sûrement y avoir des NFT pour différencier contenu humain de contenu généré par IA, et je pense que les gens valoriseront plus quand même le contenu humain. En fait, ça dépend quel type de contenu. Si t'as un problème et que tu recherches la réponse, l'IA va faire l'affaire. Mais pour créer une connexion, en fait, ce qui fait que les personal brands ont plus ou moins de succès, c'est aussi la connexion que tu as avec le créateur. Et à quel point tu te reconnais dans son histoire. Mais une IA peut avoir une histoire, une personnalité, etc. Ah, tu penses que les gens peuvent connecter Mais en fait, tu sais pas. Imagine, tu arrives à créer avec une IA une vidéo qui est aussi réaliste que
nous par exemple là, dans le podcast. Mm. Bah, voilà, je peux dire à ChatGPT, là on rajoute un guest là à côté de Canou. Je lui dis à ChatGPT, ok, t'es un de mes potes, t'as 27 ans, invente-toi un nom, une histoire, une origine, des parents, un caractère, etc. Et tu le gardes et dis des trucs drôles et intéressants. Et le mec, bah, il peut faire des dizaines d'épisodes avec la même personnalité, etc. Puis les gens, ils vont apprendre à le connaître. Et puis après, bah, t'auras des gens qui seront amis avec des IA et qui seront fans d'IA, quoi. Et après, peut-être qu'on saura que c'est des IA, peut-être qu'on saura pas. Mmh. Non, c'est pas impossible, hein. Mais tu sais, on avait vu là, l'autre jour déjà des mecs au Japon, ouais, qui avaient des poupées. Ouais. Et c'est beaucoup plus loin qu'une IA en termes de réalisme. Mais il y a des mecs qui sont vraiment potes. Je sais pas si t'as déjà vu ça, Kano. Ouais, qui sont aussi, potes, ouais, avec des poupées. Bon, c'est des poupées sexuelles, donc c'est un peu chelou. Mais T'es sûr qu'ils sont que potes? Non, du coup, c'est pas que de l'amitié. Je pense qu'ils ont pas compris, ils auraient pas bien compris le fonctionnement du truc s'ils étaient que potes. Hein. Ah ouais, non, mais quand tu te dis qu'il y a des mecs qui arrivent à sympathiser avec des poupées, ouais, c'est sûr qu'avec l'IA ça peut être. Et t'as vu le film Her? Non. Bah, c'est un film justement où l'acteur principal en fait devient amoureux d'une IA, genre d'un. Tu vois, genre de Alexa, genre en plus. Et il y a une histoire d'amour, etc. C'est futuriste, mais c'est grave bien fait. Et c'est pour ça que beaucoup de gens. Enfin, ce film met en avant le fait que beaucoup d'experts pensent que peut-être nos enfants seront amis, voire amoureux d'intelligence artificielle, quoi. Tu penses que ça serait quoi les conséquences? Bon, alors pour nous, wow, créateurs de contenu, on peut imaginer scénario catastrophe. Ouais. Mais, mais pour les gens normaux, le fait de sympathiser avec des IA, vous pensez que ça serait quoi, genre, les conséquences? Je pense que c'est dur, mais je sais pas trop, franchement. Tu devrais être pote avec une IA, toi, Canou? C'est bizarre, bah, quand tu penses maintenant, c'est bizarre, après. Pourquoi pas, à terme, avec les progrès. Ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, moi j'ai fait un chatbot. Où ça fait un chatbot, etc. Et il marche super bien. Mais les gens parlent à mon chatbot peut-être, je sais pas, 1000 fois moins qu'à moi, tu vois. Alors si les gens, quand ils me parlent genre sur Insta et que je réponds, etc., ça les intéresse genre 10 fois plus que de parler à ma version IA. Et des fois, ma version IA, elle donne des meilleures réponses à leurs questions que moi parce que j'ai pas le temps, etc., tu vois. Donc il y a quand même ce truc de... Tu sais que t'es en train de parler à une personne et... Bah on joue à Call of Duty, là, on est dans une salle de jeu, en fait, si vous voulez, et bah, en gros, il y a des jeux de société, etc., mais il y a aussi une énorme télé, il y a une PlayStation avec plein de jeux. Donc hier, on jouait à Call of Duty, on a fait un petit retour aux sources, ça faisait des années que j'avais pas joué à des jeux vidéo. Du niveau et de... En fait, dans Call of, par exemple, c'est tellement plus stylé de jouer contre d'autres joueurs, ouais, plutôt que de jouer contre des robots. C'est vrai. Alors que fondamentalement, c'est la même chose. Ouais. C'est juste qu'on a, je pense, on est programmé au fond de nous pour rechercher de l'interaction humaine. Donc, à moins que l'IA arrive vraiment à fake tous les comportements humains pour nous faire croire que c'est un humain, c'est vrai qu'on aura plus tendance à se diriger vers les interactions humaines. Je pense qu'on a trop ce besoin d'avoir une forme de compétition entre nous pour voir qui sont les meilleurs dans un domaine en particulier. Et quand tu joues contre l'ordinateur, par exemple, tu vois, moi j'ai essayé de progresser aux échecs il y a un mois et genre j'avais une petite période où je jouais un peu. Et si je me mettais à jouer avec le niveau ultra difficile contre un ordinateur, bah, je perdais tout le sens du jeu en lui-même. VS, comme tu disais, jouer en ligne c'est beaucoup plus stimulant parce que tu te compares à d'autres personnes. Et donc le fait de se comparer à des IA qui potentiellement ont des niveaux infinis dans tous les domaines, ça perd toute sa valeur. Ouais, mais justement il y a une histoire très connue qui est... que la première fois qu'une intelligence artificielle a battu le champion du monde d'échecs aux échecs, la plupart des experts, ils ont dit « Ah, c'est fini, les échecs, c'est fini, plus personne va regarder. » Parce que le meilleur joueur au monde, c'est une IA. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont continué à regarder, personne a regardé les matchs IA contre IA, et tout le monde a continué à suivre les humains qui s'affrontaient, même s'ils étaient bien moins forts que les intelligences artificielles. Donc en fait... Ça prouve à quel point on ne cherche pas à regarder le meilleur joueur d'échecs, on cherche à regarder le meilleur humain. C'est ça qui nous intéresse. Ouais. Ouais, je pense que c'est profondément ancré en nous. En parlant d'IA, vous avez vu la nouvelle Sam Altman qui veut lever 7000 milliards de dollars. Ouais. C'est chaud. J'ai pas suivi exactement... En gros, je lis un petit peu. D'ailleurs, toi, tu veux pas que je lise pendant les podcasts, mais j'ai regardé tous les présentateurs télévisés. Ils lisent tous leurs fiches.
Donc ouais, mais toi, tu lis en mode, on dirait un mais élève non. De troisième. C'est une lecture. Qui, mais non, mec. Qui a un son test de lecture. Vas-y, je vais essayer de m'appliquer. Tu mets un peu, tu vois, genre comment présentateur télé, genre okay. En mode, tu fais semblant de lire, tu vois. Obama qui fait un discours, tu vois. Fais un test. Alors, Sam Altman veut lever des milliers de milliards de dollars pour réorganiser l'industrie mondiale des semi-conducteurs. D'ailleurs, en parlant de ça, quand j'ai entendu semi-conducteur la première fois, je sais pas pourquoi, mon cerveau, il a fait le parallèle... semi-remorque. Et du coup, je me suis dit, le gars, il part d'IA à 7000 milliards de dollars pour des camions. Il a pété un câble. Ah ouais. Et après, j'ai regardé, j'étais là, mais non, semi-conducteur, c'est pour les trucs. Bon, en gros, c'est pour les micro-puces électroniques. Qui sont un peu la contrainte au développement de l'IA. Et du coup, il a fait pas mal de discussions pour lever des fonds, notamment auprès du gouvernement des Émirats Arabes Unis. Et donc, ça permettrait d'accélérer encore plus le développement de l'IA, parce qu'il voit, lui, que c'est ça la contrainte. Bon, 7000 milliards de dollars, c'est quand même assez abusé. Mais on est sûr de cette news-là ? Ouais. Ouais, ouais, il est déjà en discussion avec le gouvernement des Émirats. Oui, mais qui c'est ça ? Ouais. Moi, à chaque fois, c'est une news. Rapporté Wall Street Journal. Ok, bon, c'est peut-être probable. Bah oui, c'est probable. Mais pourquoi il a besoin de 7000 milliards ? Il peut pas le faire avec 1000 milliards pour commencer, le mec ? Je sais pas. J'ai rien compris à cette news, moi, sérieusement. 7000 milliards, c'est tellement énorme. Ouais. C'est bizarre. Et pourquoi 7 ? Parce qu'en gros, il dit... Donc, Sam Altman a d'ailleurs écrit sur X que le monde avait besoin de ce que les gens envisagent actuellement de construire. Il a ajouté que la construction d'infrastructures d'IA à grande échelle et d'une chaîne d'approvisionnement résiliente est essentielle à la compétitivité économique. En dépit de ces chiffres extravagants, le patron d'OpenAI aurait déjà entamé le porte-à-porte et des démarches des investisseurs aux Émirats Arabes Unis afin de lever des fonds. Tu vois, il a déjà commencé. Ouais, bah maintenant qu'on paye 9% d'impôts à Dubaï, ils vont tout filer cet argent-là pour faire des semi-remorques, là. C'est ouf. Non, je sais pas quelle est son idée. Il est très ambitieux, le mec. En fait, ce serait intéressant de... C'est dommage que ça ne soit pas là, de comprendre le pourquoi du comment. On a besoin d'un chiffre aussi élevé et qu'il ne peut pas le faire à plus petite échelle. Et à quel point on est sûr de... Enfin, ouais, cette news est probablement vraie, mais lui, il n'en a pas parlé, en tout cas, quoi. Mmh. Ouais, c'est difficile d'avoir un avis sur la question, en vrai, parce que... On ne sait pas exactement ce qu'il veut faire avec, quoi. S'il avait expliqué... Faudrait lire l'article. Donc voilà, première petite news, ça me... Mais lui, il est déter, quand même, hein, ce mec. Hein. Ah, il est déter. Très hein. Déter. Déjà, le feuilleton, il était épique. Ouais. Quand il avait failli se faire virer, qu'il est revenu. Il n'y a pas trop eu de news depuis. Enfin, j'avais beaucoup suivi quand il y avait le drama, mais depuis, on n'a pas eu de gros développement. Tu regardes les actualités tech comme ça ou c'est pas trop ton truc ? Bah là, en fait, là, depuis le début de l'année, je suis tellement focus. Pour moi, l'actualité, c'est. On en a parlé plusieurs fois dans le podcast, mais moi, je vois l'actualité comme du divertissement. Donc. En fait, moi, quand je suis en train de lire l'actualité tech, certes, c'est du business, etc., mais je le vois plus comme regarder une série Netflix que comme, lire un livre ou travailler sur mes business. Donc, je le fais que quand je suis fatigué, quand j'ai pas envie de travailler. Et puis là, depuis le début de l'année, je suis ultra productif, donc j'ai pas eu le temps, quoi. Mais tu vois, le podcast All In, ouais. Eux, pour le coup, ils parlent que d'actualité. Ouais, mais c'est leur travail. C'est des VC, eux. Ils parlent de leur monde, tu vois, sur ces... La tech, c'est comme nous, si on parle, tu vois, de business en ligne, de création de contenu, etc. Eux, c'est justement, ils doivent suivre un peu l'actualité pour savoir où il faut investir, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la tech, etc. Et après, bah, ça fonctionne très bien, l'actualité. Sur YouTube, de toute façon, quand tu veux faire beaucoup de vues, t'es obligé de faire du divertissement. Alors que ce soit du divertissement pur ou du divertissement slash actualité, comme je l'appelle, ça permet d'avoir une plus grosse audience parce qu'il y a plein de gens qui vont pas vouloir regarder un podcast où on parle de oui comment gagner plus d'argent, comment optimiser son business, mais parler de voilà des développements dans le business à l'international, bah ça va les toucher, ça va les intéresser, quoi. De ouf. C'est quoi les contenus que vous regardez le plus de manière générale, toi Kanou, c'est quoi sur YouTube? Franchement, il y a un podcast, le podcast du Derry of SEO, je crois que c'est celui-là. Ah ouais. Ah, tu regardes ça ? Ouais, je regarde, j'aime bien. C'est, comment il s'appelle ? Steven Bartlett. Bartlett. Il était à Dubaï en plus, non ? À un moment. Il est passé à Dubaï, je crois. Ouais. En ce moment, je regarde ça. Ouais. Ah, c'est pas mal, moi aussi, je regarde. Tu regardes les épisodes sur quoi, genre ? Sur la santé, là ?
Le dernier que j'avais vu, c'était... Ouais, le dernier, c'était sur la santé. Hein. C'était sur... avec le... un gastro... T'as des problèmes de vie? Non, même pas. T'as la gastro? Non, même pas. Mais c'est super intéressant comme il explique les choses, en fait, je crois. Ouais, de ouf. Et toi, Yomi? Tu regardes quoi, généralement? Sur quoi, sur YouTube? Ouais, je sais pas, de manière générale, c'est quoi les inputs que tu mets dans ton cerveau? Parce que la qualité des inputs... C'est les livres, moi. YouTube, presque plus. Tu lisais pas autant avant, non? Parce que je me rappelle que... En 2000... C'était quoi? Quand je te coachais, c'était 2022? Ouais. Je t'avais posé une question, peut-être que tu t'en souviens pas. C'est pendant une séance. Ouais. Je t'avais dit... qu'est-ce que tu lis comme livre, toi, et tout? Et tu me disais... franchement, je lis pas trop. Ouais. Ouais, j'ai eu une phase où je lisais plus. Ok. J'ai eu une phase où je lisais plus. Et après, en fait, j'ai... commencer à écouter les livres audio à la salle et je trouve ça ouf. Et donc maintenant je peux lire un livre, je lis deux livres par semaine. Juste je vais à la salle, enfin tous les transports, genre quand je vais à la salle, quand je rentre de la salle, si je dois aller acheter un truc quelque part, etc. Quand je suis dans le... je prends le Uber, je conduis pas, livre audio, bam, en x2. Si je vais me balader, livre audio x2, à la salle, livre audio x2. Et franchement, un livre 2 en x2, c'est 3-4 heures. Un livre qui n'est pas trop long. Tu peux en lire 2 par semaine. Et après, ben, je les résume tous les soirs. Donc, comme ça, je garde quand même les inputs les plus importants. Trop stylé. C'est quoi le dernier livre 2 que tu as écouté? Là, je suis en train de lire les principes là, de Ray Dalio. Je suis en train de le relire. Ouais. Et c'est abusé. Les livres, il faut les relire tous les 3 ans. Les bons livres, ça... t'oublies tout. Et en fait, ce qui est dingue avec ce livre-là, c'est que aussi, les livres... C'est super important de mêler apprentissage à expérience. Parce que quand j'avais lu ce livre pour la première fois de Ray Dalio, je sais pas, je devais avoir 21 ans, j'avais une expérience dans le business et dans la vie qui était différente. Et donc, j'ai tiré certaines choses du livre à ce moment-là qui m'ont aidé. Et maintenant que j'ai une expérience supplémentaire, que j'ai vécu plus de choses, et ben je comprends certains passages d'une manière différente. Et ça m'a permis de tirer des nouveaux apprentissages. Donc en fait, en plus de tout ce que j'avais oublié, bien sûr. Donc en fait, relire des livres, c'est très stylé. Attends, je peux te faire un petit top de ceux que j'ai lus la semaine. Alors, j'écoute la biographie d'Elon Musk avant d'aller me coucher, en général. Ta berceuse. Hein? C'est ta berceuse. Parce que tu sais, les livres vraiment, genre, où on t'apprend des trucs, t'as pas envie de t'endormir avec ça, tu vois. Ça te fait travailler le cerveau. Non, alors qu'une histoire, c'est plus facile. Donc, Elon Musk... J'ai un livre, La Trillion Dollar Coach. C'est un coach qui avait coaché genre le CEO de Google et d'autres gros entrepreneurs. Il est un peu éclaté ce livre pour l'instant en tout cas. Il y en a un autre qui s'appelle How to Decide. De nouveau, en fait, ce que j'essaie de faire maintenant, ben, vous allez voir que c'est mal fait, mais j'essaie de plus en plus de le faire, c'est d'avoir que 2 ou 3 sujets dans lesquels j'essaie de m'améliorer à la fois et donc de lire que des livres du même sujet. Par problématique. Ouais. Genre, il faut encore que je le structure mieux, mais genre, tu vois, chaque mois ou chaque trimestre, tu te dis, pour ce mois-là, je veux apprendre à m'améliorer, priorisation, décision, résolution de problèmes, par exemple. Et donc, tous les autres livres, ça dégage. Toutes les autres vidéos YouTube, ça dégage. Parce que sinon, tu mets trop de trucs dans ton cerveau, ça marche pas. De ouf. Donc, ouais, How to Decide, Principles. Là, je lisais un livre sur l'intelligence émotionnelle. J'ai lu le livre, enfin j'écoute le livre de Tony Robbins là, Awaken the Giant. C'est quoi les problématiques que tu essaies de résoudre là? Ouais, moi je suis toujours bien sûr de la prise de décision, résolution de problème. Ouais, c'est surtout ça là. Ok. Ouais, actuellement. Ouais, stylé. C'est le plus important. Apprendre à apprendre là, j'essaie de m'améliorer aussi là-dessus. Stylé. Et toi, tu lis? Moi, je lis, tu vois, j'essaie les livres audio, mais j'ai tendance à avoir mon attention qui se disperse. Et à la salle de sport, c'est impossible pour moi d'avoir un livre audio, parce que moi, c'est que musique, salle de sport. Comme je me pousse... T'as déjà essayé? J'ai déjà essayé de faire... Pendant une semaine, livre audio. Une semaine? Ouais, les livres audio pendant une semaine. Ouais, j'ai essayé. Okay. J'ai eu ma période livre audio, mais je trouve qu'en fait, la rétention... Non, mais à la salle.
Ah, la salle. Mais parce que la première séance, c'est normal, t'es pas habitué, mais après okay. une semaine... Tu peut-être qu'il faudrait que je persévère. Non, j'ai pas fait une semaine complète en me forçant. Après, ça baisse un peu tes perfs à la première salle. Mais je m'en fous, c'est pas ma priorité. Je trouve la musique à la salle, c'est important. Enfin, ouais, si mais après, c'est quoi ta priorité, quoi? Ouais, c'est bon, c'est musclé ça ou musclé ça? Non, mais en fait, moi, je vois pas comme ça. Je vois en mode, si tu fais un truc, tu le fais à fond. Et t'es focus dessus. C'est-à-dire, si tu t'entraînes, pendant une heure, tu t'entraînes vraiment. Et si tu lis pendant une heure, bah, tu lis vraiment. Et j'ai l'impression qu'avec un livre audio, en fait, tu fais trop de trucs à la fois. Et limite, la rétention d'informations, elle n'est pas aussi importante que si tu faisais qu'un temps de lecture où vraiment tu te posais et tu rentrais dans le truc, tu vois. Mmh. Et du coup, résultat, tu lis pas, quoi. Non, non, je lis. je lis, mais je lis pas autant en livre audio que toi, je pense. Ouais. Je lis Tu penses que tu retiens mieux, quoi. Sur les informations que je consomme, oui. De toute façon, c'est normal. Si tu consommes énormément de choses, c'est normal que tu en retiens moins. Ouais. Après, ce qui est intéressant avec toi, c'est que du coup, tu t'immerges complètement au quotidien dans les idées que tu veux consommer. Et inconsciemment, tu vois, ton cerveau, il absorbe les trucs. Même si tu retiens pas tout consciemment, t'es dans un tu te mets toi-même dans un environnement qui te pousse à progresser, à évoluer. Donc, je pense que c'est pour et c'est contre. Mais... moi, je c'est livre audio à la salle de sport, j'arrive pas. Trop galère. Croyance limitante. Toi, Canou ? Moi, j'écoute de la musique à la salle. Ouais, musique, pareil. Après, j'arrive pas à me pousser, sinon c'est... Tu sais, la musique, ça sécrète la dopamine. C'est pas bon. Pas bon. Faut arrêter la musique. Pas bon. C'est vrai, hein ? C'est le mec qui est DJ qui nous dit qu'il faut arrêter la musique. T'écoutes quoi comme musique maintenant ? C'est quoi tes musiques du moment ? Moi, je suis très jazz en ce moment. Jazz ? Ouais. Country ? Jazz ? Ouais, jazz. Je fais un petit retour à la tectonique aussi. Ah. J'ai cru, moi. 5 secondes pour comprendre. Ouais, électro, deep house, afro house. La vie. Toi, Canou ? Moi, franchement, plus afro en ce moment. Afro-beat ou afro house ? Les deux, mais Afrobeat plutôt. Rap US aussi, t'aimes bien, non ? Ouais, Rap US, c'est bien, franchement. C'est... Après, il y a Cannes, du coup, j'écoutais pas mal de la Coupe d'Afrique, là, de foot. Ah ouais. Bon, on a perdu en finale, c'est vrai ? On a perdu en finale contre la Côte d'Ivoire, 2-1. Ah merde. Nul. Moi, je regarde même plus, Vincent. Le foot ? Ouais, le Nigeria. Ils m'ont déçu trop de fois. Ça fait rager ? Ouais. Pourquoi ils t'ont déçu ? Ils ont loupé deux fois la Coupe du Monde. Ils avaient une bonne équipe. Mmh. Ils avaient joué contre la France, non ? Ouais, je crois qu'on avait perdu. Ouais. Vous êtes pour qui, France-Nigéria ? Ah, mais vous êtes même pas français, putain ! Suisse-Nigéria, vous êtes pour en fait, qui ? Suisse-Nigéria, je suis en général pour le Nigeria, juste pour pouvoir faire chier, en fait, tous mes potes. Ok. Tu vois, c'est pas parce que je suis plus pour l'équipe du Nigeria, c'est juste que si je suis pour la Suisse, tu vois, je gagne... Tu vais faire quoi, tu vois, je vais faire chier à mon père, voilà. Mais si c'est Nigeria qui gagne, je peux littéralement aller devant tous mes potes et me foutre de leur gueule, tu vois. Et si Nigeria perd, je fais ouais. C'est bon, tu sais, tu joues contre toi-même, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Le mec, pas fidèle, quoi. Ah ? Pas fidèle, quoi. Mais attends, je suis moitié-moitié. tu peux choisir. Je peux être, tu vois, fidèle, tu vois. Toc à nous ? Moi, franchement, je pense la même. Nigeria, si je suis en Suisse, ouais, Nigeria. Ouais. Attends, toi t'es franco-espagnol, hein ? Ouais. T'imagines, il y a France-Espagne. Bon, France. T'es pour la France ? Ouais. Okay. Je suis pas attaché de ouf à mes racines espagnoles. Genre, c'est mon nom, tu vois, Blanco. Javier, enter the chat. Il commence à t'insulter en espagnol dans les commentaires, là. Comment tu sais parler espagnol, un petit peu ? Non. Ouais. Mais t'apprends en France, non ? Ouais. Espagnol. Normalement, c'est le troisième... je pense que c'est la troisième langue qui est la plus prise. Moi, j'ai fait italien. Donc, je suis pas très bon en espagnol. Et mais pourquoi italien ? Ouais. Ah, c'est une longue histoire. Ma mère a été danseuse étoile en danse classique. Okay. Du coup, elle est partie vivre quelques années à la Scala de Milan. Et du coup, elle parle bien italien. Et elle me parlait des fois italien, tu vois. J'étais là, vas-y, j'ai envie de comprendre. Donc voilà, je suis pris italien. Et tu comprends ? C'est quoi ce que tu m'as demandé l'autre jour ? Comment on dit un peu ? Ouais. Et je t'ai dit en espagnol. Ouais. Donc tu vois, le niveau est pas ouf. vous connaissez Jay-Z, les gars ?
Non. T'as cru que j'allais dire non. Ouais, ouais. J'ai été sûr que t'aurais dit. Toujours imprévisible, dire... Antoine. Tu peux pas constamment, tu vois, faire les mêmes réactions. C'est pas bon. Faut toujours être imprévisible. Jay-Z, c'est le premier rappeur qui est devenu milliardaire de l'histoire. Mais moi, j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'il y a P. Diddy qui devient milliardaire, qu'il y a Jay-Z qui devient milliardaire, qu'il y a Dr. Dre qui devient milliardaire. Et après, ils le sont plus. Après, de nouveau, ils le deviennent. J'ai l'impression d'avoir vu cette news 26 fois. Mais Jay-Z, ça fait 2-3 ans, non ? Ouais. C'est quand il a vendu Bacardi, c'est pas ça, non ? Ducet, un truc comme ça, je crois. Mais de toute façon, 700 millions. Comment est-ce qu'ils savent exactement sa network ? Je sais pas, mais je crois que c'était un... C'est Forbes qui a fait le truc. Ouais, mais Forbes, ils ont aucune idée. Alors, je vous dis. Apparemment, il a investi judicieusement dans le milieu de l'alcool, de l'immobilier, de l'art et de la technologie. Forbes calcule à hauteur de 220 millions de dollars le cash et les investissements de Jay-Z. Parmi ceux-ci, la plus belle opération reste son entrée dans le capital d'Uber en 2013 avec 3 millions de dollars. Aujourd'hui, ça vaut 70 millions. Le plus gros de son portefeuille se trouve dans les alcools de luxe, notamment avec l'acquisition du champagne Armand de Brignac en 2014. Il y a investi 310 millions de dollars. Si on y ajoute les 100 millions placés dans la marque de cognac Ducet avec Bacardi, on obtient donc quasiment la moitié du capital du rappeur. La moitié dans l'alcool. C'est l'histoire derrière ça ? Non. Et dans les années 2000, les clips, non ? Les rappeurs commençaient à parler dans leur musique de Dom Pérignon ? Non, c'était Cristal. De Cristal. Cristal, ouais. Je sais pas. Ils ont pris une marque de champagne et ils ont commencé, tu vois, dans leurs clips, dans leurs chansons, genre... Posé dans la boîte, bouteille de Dompé, tu vois. Et en gros, il y a un des patrons d'une de ces boîtes de champagne qui a dit dans un interview qu'il n'aimait pas le fait que sa marque soit représentée dans ce genre de musique. Mmh. Et voilà, il a essayé de leur interdire, en gros, de mentionner le nom de leur marque d'alcool. C'était Cristal. C'était Louis Roeder. C'est Louis Roeder qui a dit ça ? Enfin, c'est Cristal. Ouais, une grosse erreur. Et du coup, ils ont pété un câble, ils ont dit « Ok, bah on va faire notre propre champagne. » Et ils ont pris des parts dans les marques de champagne, les marques d'alcool, etc. Ils les ont mis en avant dans les clips. Du coup, toutes les personnes qui allaient en boîte et qui écoutaient du hip-hop, bah, ils sont mis à acheter ces alcools-là. Et bah, ils ont fait des centaines de millions. Grosse erreur. Grosse erreur de... C'est quoi, Louis ? Après, c'est toujours un des meilleurs champagnes, tu vois. Okay. C'est juste du positionnement en vrai. Hein. T'as P. Diddy aussi avec Ciroc. Ouais, P. Diddy l'a fait avec ça avec Ciroc. Ouais, mais ils se sont mis bien. L'alcool, c'est un gros business. Hein. Ah, franchement, McGregor, il est dedans aussi. The Rock, j'ai l'impression que c'est un bon bail pour. Quand avoir tu des utilises, quand tu vends des produits qui rendent accro les gens, c'est. Facile. Si tu regardes par rapport au marketing, quand tu vas taper la dopamine des gens, c'est plus facile d'avoir du recurring. Ouais, c'est clair. Si tu regardes les clips vidéo, bah justement à l'époque, bah c'est aussi comme Beats de Dre a été connu. C'est grâce aux clips vidéo, il les mettait bien en avant dans ses clips, quoi. C'est comme ça que tout le monde a connu, tout le monde voulait en acheter. Avec les casques. Ouais, les casques. Ouais, ouais. Ouais. C'est comme ça qu'il a réussi à faire grossir la brand en demandant à d'autres rappeurs de. Je crois qu'il les mettait dans les siens et après... Il mettait dans les siens. C'est fort, hein. Franchement, moi, je suis impressionné. Bah, en vrai, tu vois, les clips, l'influence hip-hop et tout, c'est... Moi, c'est pour ça que je continue à faire des vidéos YouTube, tu vois. Je me dis... Avant, c'était les clips, c'était la télé. Maintenant, c'est YouTube. C'est-à-dire qu'en fait, dans les 10 prochaines années, si ça continue comme ça, le retournement de situation, bah... Par exemple, en mettant en avant une boisson dans nos vidéos ou une marque ou quoi, on pourra avoir le même genre de levier que ces rappeurs ont eu. Une boisson, c'est une vraie idée. Hein. Après, eux, c'est à l'international, tu vois. France, c'est quand même un peu petit, mais... Je pense qu'on peut trouver des contre-exemples de mecs qui ont fait beaucoup d'argent juste sur le marché francophone. Bah, très peu. Déjà, si tu regardes les marques françaises, l'avantage qu'elles ont... C'est qu'ils ont quand même un positionnement classe. Ouais, mais c'est à l'international. Ouais, à l'international. Mais du coup, tu peux commencer nationalement et ensuite t'expatrier. Bah, pas si c'est créer du contenu, quoi. C'est pas si tout ton business dépend de ton canal d'acquisition qui est la création de contenu. C'est ça le problème. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ou alors tu sponsorises, une fois que t'as fait lever un peu le truc, tu sponsorises des créateurs.
Mais là, après, du coup, c'est le produit qui est important, c'est même plus vraiment ton audience, quoi. T'as plus vraiment de hack. Ouais. Non, je pense que... Je sais pas. J'ai du mal à me rendre compte si le marché, il est vraiment si petit que ça et que tu peux pas faire un gros coup juste en francophonie. Est-ce qu'il y a des... Je pense pas qu'il y a de milliardaires qui a fait un milliard que dans le marché français. Je pense pas que ça existe. Je sais pas, j'ai pas le truc. Tu regardes les plus riches français, c'est Bernard Arnault international, L'Oréal international, Kering international. Il y a pas mal de français quoi dans les industries un peu plus, disons physiques, etc. Mais à chaque fois, c'est à l'international. Carrefour, ouais, ok, peut-être Carrefour. Mais de nouveau, c'est international, mais même. Ouais. Je pense que Carrefour, même si c'est que en France, peut-être ça aurait fait un milliard. Après, oui, si tu veux faire 10 millions, ouais, large. 100 même, peut-être. Donc, et toi, imagine, tu veux devenir milliardaire, c'est ton objectif. Tu réfléchis à des business potentiels que tu peux expatrier à échelle globale. Ah, oui, 100%. Ok. Toi, Kano, est-ce que tu es sensible à l'argent et tout ou pas? Parce que ton frère, tu vois, par exemple, il affiche clairement qu'il a envie de devenir milliardaire. Toi, est-ce que tu as des goals particuliers ou pas forcément? Par rapport à l'argent, pas vraiment. Pas vraiment? C'est pas très différent là-dessus. Avec ok. Mais non, c'est pas un objectif primaire. Ouais, primaire. Et t'as un business quand même. Ouais, ouais. J'ai une agence avec une agence de services après-vente avec mon père depuis 4 ans maintenant. Stylé. Ouais, 4 ans, stylé. On a parlé de LVMH, donc numéro 1 du luxe. Est-ce que vous voulez savoir combien de bénéfices nets ils ont réalisé sur l'année passée? Essayez de deviner. Alors j'ai le... Attends, je l'ai. Si tu regardes sur l'écran. Non, c'est normal que tu l'aies. C'est quoi LVMH sur une année, ça? Le bénéfice. Ouais. Ouais. 13 milliards. Non. Franchement, nous, j'en ai aucune idée. Aucune idée? Ouais. Bon, alors déjà, le chiffre, c'est 86 milliards d'euros. De bénéf? Non, de chiffre d'affaires. Ah, ok. Le chiffre. Okay. Le chiffre. Je sais pas où je dis chiffre. des ventes en hausse de 9% et un bénéfice net qui dépasse les 15 milliards d'euros. Oh, j'étais pas loin. Hein. Ouais, c'est franchement pas loin. Ferrari, ils ont déclaré avoir franchi le milliard d'euros de bénéfices en 2023 et le groupe italien Zegna frôle les 2 milliards d'euros de ventes. Ça, c'est grâce à moi, ça. Pourquoi? C'est devenu le plus gros client de Zegna à Dubaï Mall. Tous mes amis, je suis là-bas. Tu fais ouais. L'Europiana et Zegna. Ouais. Mais plus Zegna maintenant. Est-ce que vous êtes sensible à ça? Est-ce que vous êtes sensible aux marques de luxe ou pas forcément? Franchement, moi plus trop, je dirais. Plus avant, après, franchement maintenant plus trop. C'est quoi qui a changé, tu penses? C'est une bonne question. C'est plus à la mode. Je sais pas, je trouve. Je trouve que c'est un peu trop chauffe. Surtout les habits qu'il y a, enfin, que tu peux voir dans les boutiques et tout, je trouve que c'est pas... Enfin, j'aime pas trop. Ouais. Non, en fait, ce qui est drôle avec ça, c'est que j'ai regardé, moi j'ai analysé ça. Beaucoup de mes potes, etc., les gens que je connais, ils m'ont dit, ouais, tu vois, moi, les marques, les logos, tout ça, j'aime pas, c'est pas mon style, etc. Mm-hmm. Mais en fait, ce qui s'est passé, simplement... au cours des dernières années, c'est que la mode a changé. La mode est passée de porter des logos, etc., ce qui est genre accepté socialement par la plupart des gens, genre le mainstream en gros, il y a 5 ans, c'était genre, tu vas t'acheter un t-shirt Gucci, un t-shirt Balenciaga, un t-shirt Dior, avec un petit logo, machin, ou t'es stylé, tu vois. Maintenant, pour la plupart des gens, avoir un gros logo, etc., ça fait too much. Mm. Et donc, la mode, maintenant, c'est du... Je crois que ça s'appelle Quiet Luxury. Donc, c'est... Tu prends des trucs de luxe, tu prends des trucs de marque, mais il n'y a pas le logo. Et donc, en fait, maintenant, il y a tout le monde... Il y a plein de gens qui essaient de faire genre que, en fait, eux, ils n'ont jamais aimé les logos. Mais en fait, non, c'est juste les gens qui ont suivi la mode. Ouais. On a juste suivi la mode. Et en fait, on est juste... Parce qu'on est des... On est humains, en fait. On est programmés. Il y a des modes qui se créent. Et, enfin, tu vois, tu as des gens qui sont genre... qu'on n'a rien à foutre, t'as le 10% de la population qui en a rien à foutre, ils s'habillent n'importe comment, ils respectent pas les codes, etc. Ils sont dans leur monde,
t'as les 10% qui sont à l'avance de la mode, qui vont, qui sont ultra extravagants, qui vont prendre des trucs ultra recherchés, etc. Et après, ben, t'as genre un bon 50% un peu au milieu qui a plus ou moins les mêmes goûts et qui suit ce qui est à la mode. Et en fait, ce mouvement, ces 50%-là, ils sont passés de, en 2017, où c'était la mode d'avoir, je sais pas, un t-shirt Louis Vuitton ou Dior, à maintenant où la mode, c'est quiet luxury et c'est d'avoir, je sais pas, voilà, un truc l'European House, Zegna, ou même un truc Dior, mais sans le logo qui sort. Je pense que ça a été... Vas-y, tu veux dire un truc à nous ? Je veux dire, est-ce que toi, si la mode, elle reviendrait, est-ce que tu reporterais des... Moi, franchement... je porte ce que je trouve stylé. Après, bah, j'ai tendance à suivre un peu la mode. Enfin, j'aime penser que je suis légèrement en avance sur les 50%, tu vois. Mais la réalité est peut-être différente. Mais moi, oui. Enfin, moi, mon but, en fait, quand je m'habille, il y a beaucoup de gens qui, je trouve, s'inventent un petit peu une vie par rapport à la mode où ils essaient de soit de se positionner en tant que rebelle, genre « Ah ouais, non, moi, je suis pas à la mode, moi, je fais mon truc, etc. » Ou ils essayent de se positionner en tant que, genre, c'est pas dans mes valeurs, etc. Mais en fait, il y a tout le monde qui se positionne, tu vois. Donc pour moi, mettre un t-shirt noir qui est paré, qui... le plus simple, etc., c'est aussi un style. C'est juste que tu t'associes à ce style minimaliste. Donc, il y a des gens qui s'associent à un style intello, il y a des gens qui s'associent à un style raca, il y a des gens qui s'associent à un style balai-couille. Mais tout le monde a envie de montrer des choses à travers ses vêtements. Et bah, moi, en fait, les habits, pour moi, c'est juste un moyen de, socialement, en fait, me faire accepter. Donc, en fait, je vais porter ce qui me plaît, bien sûr, mais aussi ce qui est accepté dans la société et donc va me permettre, je sais pas, de d'être respecté, d'être que les gens aiment comment je suis habillé, etc. Donc je vais pas, franchement, s'il y a un habit que j'adore mais que je sais que c'est pas du tout à la mode ou que tous les autres gens vont pas kiffer, je vais pas le porter, tu vois. Ouais. Après, je vais pas faire l'inverse, je vais pas non plus mettre un habit que j'aime pas juste parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui l'aiment. Mais et je pense pas qu'il faut être obsédé par la mode, mais juste avoir des habits qui sont plus ou moins à la mode, ben, ça te permet quand même d'avoir pas mal d'avantages dans la société. Et puis, en plus, tu te sens plus en confiance quand tu sais que t'es bien habillé, etc. Donc, si dans 5 ans, la mode a changé et que je trouve personnellement que avoir des gros logos, c'est stylé, et que la plupart des gens trouvent qu'avoir des gros logos, c'est stylé, je pense que j'en remettrais. Je t'en vois, il met en full Gucci. Je pense pas. Franchement, je pense pas que dans 5 ans ce sera ça. Que tu vois, et toi, Antoine? Mais alors moi, cette transition là de mode, elle m'a vachement arrangé. Oh. parce que moi, j'ai jamais mis de trop de marques de ma vie. Et le fait que maintenant les habits Loro Piana, Zegna, ce sont les mêmes chez Zara. Mm. Bah, en fait, moi, ça me sert de ouf. Parce que je m'habille au prix de Zara et il y a des gens, ils sont un peu là en mode est-ce que c'est du Loro Piana? Tu vois, les chaussures, toi t'as des Loro Piana, moi c'est des fakes. Ouais. Enfin, des fakes. C'est lui dans une vidéo YouTube, ce qu'il a dit. Il y a un gars, il vient vers lui. Je vais dire ou pas. Vas-y. Il y a un gars, il vient vers lui, il l'interview. Moi, je tombe sur cette vidéo comme par hasard, comme ça. Je vois, ah putain, il y a Antoine, il se fait interviewer, tout ça. Le gars, il dit, ouais, tu penses quoi comment t'appelles ça, la contrefaçon. La contrefaçon. Et lui dit, ouais, je pense que c'est bien. Non, arrête. J'ai pas dit ouais, ça. Ouais, il y a des gens qui peuvent pas s'acheter, il y en a pour tout le monde. Franchement, ouais. C'est une bonne chose. Ouais, t'as dit, s'il y a un marché pour. Ouais, moi, je l'avais vu. Tu l'as vu aussi. Ouais, vu. Et après, je lui dis, ouais, c'est vrai. Je fais, ouais, mais enfin. Toi, imaginons, on prend ta formation, on la revend illégalement, ça va te faire chier. T'es là, il est là, ouais. Ah ouais, en fait, c'est pas bien. Hey, j'avais pas capté. Moi, je croyais que c'était bien, tu vois, de pouvoir rendre accessibles les habits à plein de gens. Mais en fait, j'avais pas capté que c'était marché illégal. Bah ouais. Ça s'appelle quand même contrefaçon. Ouais, ouais, ouais. Non, mais... Non, hormis la contrefaçon, genre Zara et tout, ouais, okay. Ça je trouve ça cool qu'on puisse que ce soit accessible, quoi. Après, franchement, Zara quand même en termes de qualité, tu le sens. Tu trouves, toi? Ouais. Bon, après moi j'ai jamais mis trop des trucs chers, mais tu sens la différence. Ok. Tu l'habit, ça s'abîme beaucoup plus vite. Ah, c'est possible. Bah
Moi, là, ça fait quoi? Un an, peut-être, que j'ai commencé à acheter un peu des habits, genre l'Europeana, Zegna, etc. Après, j'achète toujours chez Zara. Et franchement, bah, les Zara, en fait, tu les portes, je sais pas, 10 fois, mais peut-être un peu plus, 20 fois, et tu vois une nette différence. Okay. Alors que. Ils rétrécissent de ouf. Ouais, ils rétrécissent, le tissu s'abîme, etc. Alors que tu achètes, je sais pas, un truc, l'Europeana, si tu le laves bien, quoi, t'en prends soin. Il n'y a presque aucune différence entre la première fois où tu le portes et la 20e. Ok, je savais pas. Après, tu as un entre-deux qui est sympa. C'est genre Massimo Dutti, par exemple. Donc, c'est au-dessus de Zara. En termes de prix, en termes de qualité. C'est peut-être, je pense, je sais pas, 2-3 fois plus cher que Zara. Mais c'est pas des prix de ouf, quoi, comme l'Europeana ou Zegna. Ok. Toi, Canou, tu t'habilles où généralement? Moi, j'ai un problème, le truc, c'est que je suis grand. J'ai des longs bras et du coup oh non, la je suis au plupart mieux, je vais avoir l'air tout maigre et petit de nouveau. Ah ouais, désolé mon gars. Toujours se mettre sur les côtés pendant les podcasts. Je sais pas si c'est un grand angle, c'est quoi? C'est celle, c'est la Sony là en haut? Ouais, c'est C'est un grand angle? Je suis ministre. Tu vas tout petit. Ça. Ah. Non, du coup moi surtout pour les pantalons, je vais sur Asos. Je commence sur Ah ouais. Asos. Et c'est un peu le seul endroit où je trouve des trucs longs, quoi, et qui sont à ma taille. Donc c'est pas des marques de ouf, non, c'est pas, non, c'est pas des marques de ouf. Classique. Non, c'est classique, quoi. Ouais, je pense que il en faut pour tout le monde, mais à partir de quel moment est-ce que vous pensez qu'on peut faire le switch et passer des trucs mainstream, habits, à des trucs un peu plus luxueux? Genre, si on devait donner un truc qui serait raisonnable en termes de revenus mensuels, tu penses à partir de quand on peut faire le switch. C'est pour combien t'achètes d'habits aussi. Mais... Ouais. Bah, ça Si tu dépend, ça penses. dépend de tes goûts et tes envies aussi. Si la mode c'est quelque chose de très important pour toi et que t'adores vraiment être bien habillé, etc. Bah tu peux le faire peut-être un peu plus tôt. Si tu t'en fous complètement, bah peut-être fais-le jamais. Moi, franchement, je pense pas que ça doit être une priorité. C'est T'as commencé à vraiment partir de quand, toi? acheter des habits de marque. Je sais pas. Ouais, je devais être multimillionnaire. Et avant, tu t'habillais comment? Ça va. Ok. C'est tôt quand même, non? Même à Lausanne, t'achetais pas des trucs. Non? Bah, j'étais multimillionnaire à Lausanne. Au tout début. Je m'en vais. Non. Alors attends, la première fois que j'ai acheté, c'était. J'avais acheté du Gucci. C'est abusé comme la mode change. À l'époque, c'était Gucci, c'était la marque. Maintenant, c'est pas ouf. Alors, attends, j'ai la tête du t-shirt en tête. Je crois que c'était quand on a bougé, juste avant qu'on bouge à Londres. Le t-shirt rouge Avec les et couleurs, vert là. là, avec le G. Non? Non, il est noir. Ah, avec. Okay. Ah, fait quoi tous ces habits? Je les ai donnés. Je les ai donnés. Bah, le mec qui les a reçus doit être content. Ouais. C'est content. C'est Quentin? Non, enfin, j'ai donné à plein de personnes différentes. Autre news. Alors ça va intéresser notre audience et ça va les aider. Au cas où ça pourrait leur arriver. Depuis quelques mois, la brigade financière de la Drôme enregistre un nombre important d'arnaques aux faux conseillers bancaires. Le spoofing, ça s'appelle comme ça, consiste à usurper les numéros de téléphone des banques pour mettre les clients en confiance et vider leurs comptes bancaires. L'escroquerie commence par un banal coup de fil de votre banque, voix souriante, un bonjour madame X, c'est votre conseiller bancaire qui retient votre attention. Et puis, c'est le numéro de la banque qui s'affiche, et parfois on connaît même votre date d'anniversaire, votre adresse ou votre numéro de compte. Est-ce que vous avez déjà été victime d'arnaque, de tentative d'arnaque, ou est-ce que vous connaissez des gens qui se sont déjà fait arnaquer comme ça? Qui se sont déjà fait victimiser. Ouais. Personnellement pas, mais je sais qu'à Dubaï, il y en a pas mal, en tout cas des trucs comme ça de banque Bah toi, tu des t'es fait appeler fichiers. par la police, il a cru que c'était un spoof. Ouais. Lui s'est fait Pour le appeler par coup. la vraie police, il a dit, ouais, je sais, vous êtes en scam. Et après, je suis allé au commissariat, il était Le mec, tellement il était vénère. vénère. Mec, il appelle numéro masqué, genre Ouais, numéro. Numéro normal, Ouais. en méga accent. Genre, ouais, venez au poste de police, je vais Genre, pas il vous dit dire même pas, tu pourquoi. vois, il s'identifie rien. Genre, Ouais. t'as l'impression que c'est un. T'as l'impression que c'est un scam, quoi. Ouais. Et pour finir, c'était pas un scam, Ah merde, c'était quoi Et le du coup, truc? Canon va aller en prison.
T'as fait quoi? Non, c'est même pas moi, c'était une histoire de voiture. Ah ouais? Un truc, ouais, meurt. Toi? T'as déjà... victime de l'arnaque? Ouais. J'ai... Une fois, on m'a vendu un truc que j'avais absolument pas besoin, ouais. Je sais pas si tu comptes ça pour une arnaque. C'était quoi le relis? Bah, j'étais en Australie. J'ai raconté l'histoire peut-être sur le podcast, je sais plus. J'étais en Australie. J'étais allé là-bas pour apprendre l'anglais. Et en gros, j'étais dans une auberge de jeunesse. Et je connaissais personne. Et je me baladais un petit peu l'après-midi dans la rue. Et je vois un stand où on vend des tickets pour les pub crawls. Les pub crawls, c'est en gros, tu prends ton ticket et après tu vas dans genre 5 bars différents pendant une soirée. Toutes les heures, tu changes de bar. Et je sais pas, c'était genre 40 balles le ticket. Et moi, j'avais vu qu'on était un bon groupe de 20-30 personnes à mon auberge de jeunesse. Et du coup, je commençais à parler au gars un peu comme ça parce que j'avais rien à faire. Et au fur et à mesure, il essaie de me vendre son truc. Et moi, j'ai l'idée de... acheter genre 20 tickets qui me fasse une réduction et ensuite que je puisse les revendre aux membres de mon auberge de jeunesse. Et donc comme ça je fais d'une pierre deux coups, je gagne de l'argent sur les tickets et ça me permet de faire pote un peu avec tout le monde vu que c'est moi qui ai un peu organisé une activité etc et je peux me faire des potes. Et donc je fais ça. Et le mec il me chauffe, tu vois, genre il fait ouais je te fais une réduction nanana. Après il me dit ouais vas-y juste signe tout ça vite fait tout ça. Je dis ah, ok je vais. Je rentre à l'auberge de jeunesse, je commence à parler à deux des mecs qui étaient là-bas et ils me font « Ah ouais, mais non, mais en fait, il y a déjà l'auberge de jeunesse qui organise un pub crawl. » Et il savait le gars, tu penses, qu'il t'était rendu? Non, il savait pas, mais du coup, après, je reviens, genre vraiment le lendemain, et j'avais dépensé genre 200 balles. Et à l'époque, j'étais étudiant, enfin, j'étais à l'armée, genre, enfin, j'avais aucune thune. Donc, j'étais en PLS. Je reviens le lendemain et tout, je lui dis ouais en fait ils ont déjà organisé, je peux pas les vendre et tout, vous pouvez me rembourser. Et le gars il fait non regarde là t'as signé, tu peux pas rembourser. Ah putain. Ouais. Et du coup ces trucs ils ont jamais été utilisés. Ça servait à rien. Ouais. Et tu t'es retrouvé en déchet de thunes ou... Non j'ai plus que 200 balles quoi, quand je suis parti d'Australie j'avais quand même mis un petit peu de côté pour me payer le voyage mais... Tu t'es senti arnaqué quoi. Ouais. Parce que le gars, en fait, c'est même plus ou moins lui qui m'a donné l'idée, tu vois, d'en acheter plus et de les revendre. Et puis, il avait utilisé plein de techniques de vente. Et puis, genre, c'était mon meilleur pote. Genre, il était super sympa. Et puis, le lendemain, quand je suis arrivé pour faire le refund, genre, il était là, non, dégage, non. Regarde le papier. Ouais, rien à foutre, le mec. Horrible. Et toi, tu te fais... Moi, j'ai pas souvenir... Bon, alors, il y a les trucs traditionnels où tu vois ta boîte mail, il y a des liens de phishing et tu sais qu'il faut pas cliquer dessus. Une fois sur Le Bon Coin, bah alors c'est pas arrivé à moi directement, mais mon petit frère il s'est fait scam. Il voulait acheter une paire de chaussures Supreme et bien sûr elles étaient ultra bradées en prix. Il s'est dit je fais une affaire de malade, je vais les revendre, je vais me faire de l'argent. Et au final il a payé et le mec a jamais envoyé les chaussures. Ça c'est la plus grosse arnaque, mais bon. Tu peux arnaquer aussi facilement. Bah, mais il a payé hors la plateforme. Je crois, ouais. Ouais. C'est ça. Ça, c'est la grosse arnaque. Sur Airbnb, une fois, on avait essayé de nous arnaquer. Ouais, sur Airbnb, ouais. Le mec, en gros, il y a pas mal d'arnaques sur Airbnb. Le gars, en gros, il nous disait, ouais, donc, super appartement à Paris, machin, moins cher, pas méga moins cher, mais moins cher que les autres, plus spacieux, etc. Et on le contacte, et le gars, il nous dit, ouais, est-ce que tu peux booker, pas pour la semaine que tu veux booker, mais genre deux semaines plus tôt, un truc comme ça, tu vois. Mmh. Et parce que sinon, ça fait des embrouilles avec mon calendrier, je sais pas quoi, il me dit une connerie comme ça. Et moi, là, je dis, mec, t'es bizarre. Je réfléchis, et après, je vais sur le site, et je regarde politique d'annulation, et en fait, c'est deux semaines. Donc en fait, le mec, il te fait booker deux semaines à l'avance pour que tu puisses plus demander de remboursement. Après, ben, tu viens pas, tu vois, logique, vu que toi, t'as booké pour la semaine, deux semaines plus tard, vu qu'il t'a dit de le faire. Et ben, après, ben, ils disent, ah, ben, c'est trop tard et tu peux pas te faire rembourser. Et en gros, quand tu veux aller, tu te rends compte que ça existe pas, quoi. Tu t'en es rendu compte en allant sur leur site internet, t'as lu toi-même les petits trucs et tout? Ouais, j'ai été lire les conditions de remboursement et j'ai vu que c'était pile deux semaines, donc comme par hasard. Ouais. Et après, le gars, j'ai commencé à l'embrouiller par message, je l'ai signalé de partout et... 3 jours plus tard, son compte avait sauté. Ah putain, t'as eu chaud. Ouais.
faire gaffe, hein, je pense que c'est assez fréquent et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qu'on n'arrive pas à retrouver. Je sais pas exactement quelle est la procédure judiciaire. Mais tu sais que moi j'avais été impressionné en France une fois, on s'était fait voler, nous on s'était fait voler, genre cambriolé. Ok. On avait un appartement à Paris et en gros on l'a loué pendant, je sais pas, quelques mois et le jour où on part, en fait, on avait organisé une fête. Ce qui, en fait, c'était pendant le Covid, donc en gros, on faisait des soirées chez nous parce que tu pouvais pas sortir ou quoi. Et à chaque fois, les voisins, ils se plaignaient, machin, propriétaire. Donc on pouvait même plus faire nos soirées, on pouvait même plus mettre de musique, etc. Et donc le dernier jour, on a pété un câble, on s'est dit, on fait full soirée, on s'en fiche. De toute façon, on sera plus là, quoi. Donc on fait notre soirée. Et carrément, on avait installé des enceintes, on avait commandé des enceintes, etc. Et le lendemain, on devait partir, donc on part, mais on laisse les enceintes à l'intérieur de la maison. Et en gros, quelqu'un devait venir les récupérer. Le lendemain, on avait mis la clé pour qu'il puisse le récupérer, etc. Et le mec, il vient pour récupérer, il n'y a plus d'enceintes. Et du coup, on est là, what? Donc, on va chercher sur le bon coin et on retrouve exactement toutes les enceintes qui avaient été volées chez nous. Le pire truc, c'est qu'il y avait des chargeurs d'iPhone, il y avait une théière. Il y avait une théière grippant. Quoi, il avait fait un package, le gars. Il avait mis le même compte, avait genre tous les trucs qu'il avait volés dans notre appartement. Ah, ok. Et là, ce qui est dingue, putain, c'est qu'on se rend compte que, en fait, il a pris le grippant, mais il n'a pas pris la télé. Il a pris le chargeur d'iPhone. Mais il a pas pris l'ordinateur, il y avait les écrans, les tableaux, tous ces autres trucs. Et donc on comprend pas. Et ensuite on a capté que c'était la femme de ménage qui, à chaque fois qu'il y avait un check-out, tous les trucs qui n'étaient pas dans l'appartement, dans les meubles qui étaient déjà dans l'appartement de base, il les prenait et il les vendait sur le bon coin. Parce qu'en fait, t'avais les guests qui venaient, à chaque fois, ils laissaient des affaires dont ils n'avaient pas besoin. Et du coup, ils volaient ces affaires-là, mais ils ne volaient pas la télé, etc. Parce que ça, le propriétaire, il allait remarquer. Et donc, ils avaient leur petit truc qui était rodé. Mais là où ils ont foiré, c'est qu'ils ont pensé que nous, on avait laissé les enceintes et qu'on n'en voulait plus, alors que c'était juste parce qu'on allait les récupérer le lendemain, tu vois. Et donc là, nous, on a grillé le truc qu'ils étaient probablement en train de faire depuis des mois et des mois. Et on a envoyé le compte le bon coin. Après, il y a un pote qui a dû aller écrire sur le compte, faire semblant de les acheter, trouver l'adresse du mec, nanana. Et au final, 6 mois plus tard, la femme de ménage et son mari, qui était le complice, chopé, condamné, etc. Ils m'ont demandé mon compte en banque pour me dédommager, tout ça, c'était trop stylé. Énorme. Ouais. Vous avez réussi à démanteler un réseau. bel accomplissement. Ça tue, c'est une histoire stylée. Autre petit sujet, parlons un petit peu de. Bon, alors, on va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas des experts, mais 50% des ministres du gouvernement de Gabriel Attal sont millionnaires. Un tiers du gouvernement pourrait être classé parmi le top 1% des Français les plus fortunés. Généralement, dans l'opinion publique, il y a deux types de personnes. Il y a les mecs qui disent « c'est normal, ils ont plus de responsabilités, c'est normal qu'ils gagnent bien leur vie ». Et puis, t'en as d'autres qui vont dire « mais ils sont ultra déconnectés en fait, du quotidien des Français, comment est-ce qu'ils peuvent prendre des décisions pour eux ?» Ou des Suisses, peu importe. C'est quoi votre avis par rapport à ça ? Un tiers des ministres sont millionnaires. 50% des ministres du gouvernement sont millionnaires. La moitié, et un tiers du gouvernement pourrait être classé parmi le top 1% des Français les plus fortunés. Alors, top 1% des Français, je sais pas combien ça représente, mais c'est pas là. Enfin, je vais regarder. Top 1%. Comment ils font pour être millionnaires? Mais après, moi, je pense que c'est millionnaire avec le patrimoine immobilier et tout. Si tu fais un crédit à 30 ans pour acheter un bien, que tu le rembourses, t'as 50 ans, t'es au gouvernement. Comment ils font pour être millionnaire en étant dans la politique? La moitié, ouais. C'est bizarre. Beaucoup quand même. Pour la France, c'est beaucoup, hein, je trouve. Ouais. Ça m'étonne, j'aurais pas pensé tant. C'est quoi votre avis? Vous pensez que les personnes au gouvernement devraient avoir des KPI qui les incentivent à gagner beaucoup d'argent pour tirer tout le monde vers le haut? Ou au contraire, qu'ils aient une réalité qui soit plus proche des gens qui soient le plus dans le besoin? C'est quoi votre avis? Pas d'avis?
Non, je réfléchis. J'ai l'impression que c'est pas vraiment le truc le plus important, qu'ils soient riches ou pas riches, les ministres. Le plus important, c'est s'ils font bien leur travail. Que... Je pense pas qu'il y ait une relation. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a une relation. Enfin, si, en fait, le truc, c'est qu'automatiquement, la plupart des gens, quand ils entendent cette stat, ils se disent il y a beaucoup de ministres millionnaires, c'est parce qu'ils ont, entre guillemets, volé l'argent, tu vois. Mm-hmm. Alors, sauf erreur, ces millions, si on sait qu'ils les ont, c'est qu'ils sont déclarés. Donc, c'est pas de la corruption, c'est pas des trucs chelous, c'est l'argent déclaré. Donc, c'est de l'argent qu'ils ont obtenu légalement. Donc, soit ils l'ont gagné à travers les salaires de leur emploi de politicien, etc. Ce qui m'étonnerait, parce que je crois pas que c'est si bien rémunéré être politicien en France. Ouais. Soit ils ont simplement travaillé et gagné leur argent comme des personnes honnêtes dans leur vie. Donc, très bien. Et je pense que s'ils sont capables de gagner beaucoup d'argent par eux-mêmes, c'est que c'est des personnes efficaces, c'est que c'est des personnes compétentes. Donc, c'est presque bien. Si tous les ministres étaient extrêmement pauvres et qu'ils n'arrivaient pas à réussir dans le monde privé et dans le monde du travail, ben je ne serais pas spécialement convaincu qu'ils arrivent aussi extrêmement bien à réussir à diriger un pays, quoi. Donc, j'ai pas... Après, il y a ce truc de représentation, genre, ils ne comprennent pas vraiment les difficultés, etc. C'est un argument... Le plus important, je pense, c'est d'avoir de la diversité. Donc, tant qu'il y a certains ministres, certains politiciens qui ont un mode de vie plus... comment dire? Plus... Fancy. Non, plus bas. Ah. Broke. Plus... Modeste. Modeste, voilà. Et qui, donc, qui peuvent apporter différentes opinions. Je pense pas que c'est un problème qu'il y en ait qui a un mode de vie peut-être un peu plus... T'es d'accord, Canou? Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec ton jeu. 1%, vous voulez la stat des 1% des Français les plus aisés? 9 060 euros pour une personne seule, selon l'INSEE. Soit 108 670 euros par an. Pour être dans le 1%. Et ça, c'est 50% des... 9 000 quoi? 9 000 par mois? 9 000 par mois, ouais. Pour être dans le 1%? Ouais. Voilà. Je suis vraiment bête. Ok. C'est que, si on part sur des stats comme ça. Attends, c'est quoi la stat? Seulement 1% des millionnaires en France sont genre self-made, un truc genre. Combien? 1%? Ah ouais? Non, c'est pas possible. Ça me paraît peu. C'est impossible. Non, ça ferait 99% d'héritage. C'est beaucoup. Va falloir revoir tes stats, mon garçon. Je crois que j'ai entendu ça, mec. Attends, je vais regarder. C'est quoi le truc? Combien de pourcentage de self-made millionnaires en France? Je pense que la stat, c'est qu'il y a seulement 1% des gens qui sont self-made millionnaires. Ça, c'est déjà plus possible. 1% des gens qui sont self-made millionnaires? C'est quoi la différence avec ce que tu as dit tout à l'heure? Non, ça marche pas non plus, en fait. Non, ça marche pas parce que tu as dit que 1%, c'était 9 000 par an. Ça marche pas. Ouais. Mais je crois que c'est Anthony Bourbon qui a dit ça. Ouais, non, mais je pense que j'avais déjà entendu Anthony Bourbon parler parce qu'il est contre l'héritage. Enfin, il est très. J'adore ça, moi. Il est très pour la méritocratie. Ouais. Donc, j'avais vu des stats qui sortaient et qui montraient que c'était assez dégueulasse après un certain niveau de fortune que tout puisse être légué à la génération d'après. Il avait donné l'exemple avec l'immobilier où genre les mecs faisaient 30K par mois, je crois après 10 millions de patrimoine, sans rien faire, tu vois, parce qu'ils étaient nés au bon endroit. Ah, et si t'es riche d'un patrimoine immobilier, ouais, c'est facile, hein, la vie. C'est facile, hein. Non, mais après, c'est... en France, il y a 50% d'impôt sur l'héritage, je crois. Ça dépend, ça. Moi, tu vois, par exemple, en fait, au plus tu le fais tard, au plus t'es taxé. Mes grands-parents, ils savaient pas. Et ils sont en train de faire ça là, les trucs d'héritage. Et du coup, ils vont être pas mal taxés parce qu'ils s'y ont pris tôt tard. Et à l'inverse, j'ai un pote, son père l'a déjà fait pour lui. Et du coup, il aura quasiment rien. Donc selon... Si tu transfères de ton vivant, t'es moins taxé, c'est ça?
Non, pas forcément de ton vieux. Mes grands-parents, ils sont encore vivants. C'est plus ou moins vieux. Ah, c'est ton âge? Ouais, je crois. Ouais, ouais. Donc, plus ou moins vieux. Tu peux étaler par an, je pense. Tu fais un petit peu chaque année. Au lieu que ce soit beaucoup dans une année. Et les tranches d'imposition, souvent, elles sont sur les montants annuels. Je pense pas, parce que, tu vois, dans le cadre de mon pote, son père, il a de l'immobilier. Et il va continuer à en acquérir au cours de sa vie. Tu penses que ça s'ajouterait du coup avec les nouveaux achats qu'il ferait? J'ai pas compris. Genre là, tu me dis, si tu le fais tôt, tu peux l'étaler. Ouais, genre imaginons que t'as 1 million en immobilier que tu veux transmettre. Mais c'est pas fixe. Hein? C'est pas fixe là, 1 million. Parce que si t'en rachètes plus tard. Ouais, non, mais imaginons t'as 1 million que tu veux transférer à ton fils. Ouais. Ben, soit tu le fais genre quand t'as 90 ans. Et donc du coup, ben, tu dois tout faire en 3 ans, donc tu dois lui donner 300 000 d'immobilier par an. Mmh. Soit bah, tu as beaucoup plus de temps, tu as genre 30 ans, et donc du coup, ben, tu lui transfères 30 000 par an. Et donc, vu que les tranches d'imposition, c'est genre, tu as le droit de léguer maximum 50 000 sans être imposé par an, ben, là, tu ne te fais pas imposer quand tu es à 30 000 par an, par contre, quand tu es à 300 000, tu prends cher. C'est une supposition, j'ai aucune idée de comment fonctionne le système français, hein, mais ça me paraît être une probabilité. Oui, j'ai regardé, qu'on dise pas de conneries. Mais bon, de toute façon, je pense que c'est bien. Moi c'est un truc, j'ai toujours été pour l'impôt sur l'héritage. Et on en avait parlé plusieurs fois dans le podcast, à chaque fois les gens ne sont pas d'accord, j'arrive pas vraiment à comprendre. Ils sont là, c'est, être contre l'impôt sur l'héritage, c'est... Enfin, alors... Déjà, tu as une première réflexion à avoir, c'est est-ce que tu es pour ou contre l'impôt de manière générale? Genre, est-ce que tu veux vivre dans un monde où il y a zéro impôt? Si tu réfléchis, je pense que l'extrême majorité des gens sont quand même d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait un petit peu d'impôt. À zéro, c'est quand même difficile. Donc, imaginons qu'on définit que le taux d'imposition moyen, bon, c'est, je sais pas, 10%. Alors, ces 10%, il faut choisir où on les prend. Soit tu les prends sur l'impôt sur le revenu, soit tu les prends sur la TVA, soit tu les prends sur l'impôt sur l'héritage. Ben, personnellement, je trouve qu'il faut prendre une grande majorité, enfin peut-être pas une majorité, mais une grande partie en tout cas sur l'impôt sur l'héritage. Parce que quand tu prends l'impôt sur l'héritage, tu prends l'argent des gosses de riches. Et je trouve que c'est mieux de prendre l'argent des gosses de riches que de prendre l'argent des gens qui travaillent via l'impôt sur le revenu, des gens qui ont travaillé, impôt sur la fortune, ou des gens qui dépensent de l'argent TVA. Quoi. Est-ce que c'est un goal pour vous de faire suffisamment d'argent pour mettre à l'abri la prochaine génération? Il y a beaucoup de gens qui sont drivés par ça. Non. Personnellement, moi, non. Enfin, t'en fous de tes mioches? Pour qu'ils soient pas dans la galère, quoi, ouais, mais pas qu'ils soient dans... C'est pas des gosses de rire. Ouais, enfin, tu t'en moques. Ouais. Mais donc tu veux leur donner aucun argent? Je pense que je vais mettre des conditions. À quoi? Pas encore tellement réfléchi à ça, mais j'ai pas encore trop réfléchi à ça. Non, moi je vais leur donner cheat code. Ça va être éducation de malade. Je vais les pousser, les motiver, leur donner accès à des coachs, à des livres, tout le sport qu'ils veulent, les équipements, tout ça. Je paye aucun problème. Mais jamais je leur donne de l'argent. Ou peut-être limite j'investis dans certains de leurs projets ou des trucs comme ça, tu vois, si le projet il est vraiment bon ou quoi. Mais je vais jamais leur donner de l'argent. Ils auront un niveau de vie... Ouais, ils vont vivre dans ma maison, tu vois. Mais, non, ouais, mais genre, ils se barrent de chez moi, mec, paye ton loyer. Ok. Et quand je le clame, rien. Ah ouais. Ah ouais, bah après je me laisse quand même, je sais pas. Je me laisse l'opportunité de changer, hein. Peut-être que quand j'ai des enfants, ma vision du monde va complètement changer, etc. Mais là, pour l'instant, je suis vraiment de l'avis que ça sert à... J'ai pas envie de leur donner de l'argent. Genre, quand je dans mon testament, ils seront pas dessus. Enfin, je crois que t'es obligé un peu, malheureusement. Ah bon? Ouais. Je suis pas sûr. Je crois que t'es obligé de donner une partie à tes enfants. Ok. Ouais. À moins qu'ils aient fait un truc vraiment contre toi, genre tu dois faire un procès. En tout cas, en Suisse, je crois que je l'avais vu à l'université. C'est 30%, un truc comme ça? Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Ok, intéressant. Donc toi, tu l'agrées pas forcément, et t'es de l'avis que la construction de la richesse se fait avant tout dans l'éducation. Et du coup, tu investirais beaucoup sur l'éducation de tes enfants pour qu'ils soient en capacité, eux, de s'assumer seuls.
fait, je suis convaincu que quand tu donnes la récompense sans qu'il y ait eu le travail, ça détruit le cerveau humain. Et donc, tu peux le faire à grande échelle et à petite échelle. Par exemple, si tu regardes des jeux, enfin les réseaux sociaux, tu regardes les réseaux sociaux, tu te prends des hits de dopamine sans avoir travaillé, récompense sans travail. On voit aujourd'hui l'impact que ça a les réseaux sociaux sur toute notre génération. Si tu regardes des vidéos porno, récompense sans avoir travaillé, t'as pas séduit de femme, mais en fait, tu peux t'imaginer des trucs auxquels tu devrais pas avoir accès. Récompense sans travail, de nouveau, ça a énormément d'effets négatifs sur plein de choses. Et en fait, à grande échelle, si tu récompenses tes enfants, tu donnes des récompenses à tes enfants sans travail, ils vont avoir les mêmes répercussions sur leur vie. Ils vont plus réussir à travailler, les circuits de dopamine vont être foirés, et au final, tu leur rends pas service. Tu les empoisonnes. C'est la drogue. En fait, je pense que une bonne définition de drogue, enfin un des gros problèmes avec la drogue, c'est ça, c'est ce mécanisme récompense sans travail. Ok. Parce que tu vois par exemple, tu fais du sport. T'as ce qu'on appelle le runner's high. Après avoir fait du sport, tu te sens super bien, par exemple. Tu vas courir, tu te sens bien. La plupart des gens, tu cours pendant 30 minutes, après tu te sens relativement mieux qu'avant d'avoir couru. De l'eau. Ouais, ça, c'est pas du tout problématique, parce que t'as travaillé pour avoir ta récompense. Tu te sens bien, mais avant, t'as travaillé. Mm-hmm. Alors que si tu prends de la drogue, tu as pas travaillé, tu te sens bien. Donc après, faut que tu payes... tu payes le prix. En fait, tu payes forcément le prix du bonheur dans la vie, du plaisir. Soit tu le payes avant, et c'est sain. Ouais. Donc soit tu travailles, atteinte d'un objectif, tu te sens bien. Donc souffrance d'avant, plaisir après, c'est bien. Soit c'est l'inverse. T'as le plaisir d'abord et la souffrance après. Et ça, c'est mauvais. Drogue. Plaisir d'abord, souffrance derrière. Et ça, biologiquement, moi j'avais écouté un podcast d'Huberman, ça s'illustre très très bien, parce que notre système dopaminergique, il est construit de cette manière. C'est comme une balance, en fait, entre le plaisir et la souffrance. Comme tu donnais l'exemple des réseaux sociaux, au plus tu vas scroller sur ton feed d'actualité, au plus tu vas avoir plaisir sur une certaine période, et ensuite, tu vas avoir un niveau de souffrance inversement proportionnel au niveau de plaisir que tu as eu, voire même supérieur. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que pour revenir au niveau auquel tu étais avant, tu vas être tenté de reconsommer pour remonter. Mmh. Et en fait, petit à petit, comme ça, tu tombes de plus en plus bas, ouais. Parce que tu souffres toujours un petit peu plus que le plaisir que tu as procuré au préalable. Et pour te retrouver dans un état normal, il y a un moment donné où tu es limite obligé de consommer, c'est le cas des drogues addicts, c'est que pour qu'ils se sentent juste normal, ils sont tellement bas tout le temps qui sont obligés de consommer. Donc l'analyse est ultra intéressante. Tu avais parlé du porno aussi, ce qui me fait une transition parfaite sur notre prochain sujet. Le taux d'activité sexuelle des Français, en particulier des plus jeunes, n'a jamais été aussi bas depuis les années 70. Les 18-24 ans. Alors déjà, est-ce que vous voyez quelques explications au fait que notre génération un peu plus jeune ait moins d'activité sexuelle Pardon ? Numéro 1. Ah ouais, clairement, full. Ah, numéro 1, il y a ça, et numéro 2, ça doit être les réseaux sociaux. Donc on est plus isolés, en fait. Un des grands problèmes qu'il y a dans la société actuelle, c'est que notre cerveau est plus vraiment adapté à notre environnement. À travers la sélection naturelle, en fait, les espèces, elles évoluent et elles s'adaptent à leurs environnements. C'est comme ça, d'ailleurs, que Darwin a fait sa théorie. Il a vu qu'en fonction, il a étudié différentes îles. Et il a vu que sur les îles, il y avait des oiseaux qui se ressemblaient énormément, mais qu'ils étaient légèrement différents. Et en fait, ils étaient différents de manière à s'adapter à leur environnement. Je te donne un exemple simple, par exemple dans la savane, les lions, ils sont jaunes parce que l'environnement est jaune et donc du coup ils peuvent mieux se camoufler. Et les ours polaires, ils sont blancs parce que ils arrivent mieux à se camoufler dans la banquise. Et ça s'est passé parce que au départ, t'avais des ours bruns, ils sont allés dans des terrains de plus en plus
froid où il y avait de plus en plus de neige et ils étaient grillés et donc ils n'arrivaient pas bien à se nourrir. Et quand tu fais des enfants, t'en as qui étaient brun foncé, t'en as qui étaient brun clair. Les bruns clairs, ils arrivaient mieux à se camoufler et donc ils survivaient mieux. Et après, les bruns clairs, ils ont fait des enfants encore plus clairs, encore plus clairs, encore plus clairs pour au final devenir blancs. Et le cerveau humain, c'est la même chose. On vient de base des Australopithèques et avant ça des chimpanzés. Et au fur et à mesure des années de notre environnement, les caractéristiques qui aidaient à survivre, à manger, à se reproduire, etc., elles ont été multipliées. Et les caractéristiques qui nous empêchaient de survivre et nous reproduire, elles ont été supprimées. Et en fait, on a notre corps, mais aussi notre cerveau qui s'est habitué. Sur le corps, c'est évident, par exemple, par rapport à la fourrure, etc., mais sur le cerveau, on y pense moins. Et en fait, il y a la même chose qui s'est produit. Les gens, les humains, par exemple, qui étaient les moins intelligents, ils sont morts plus rapidement parce qu'ils étaient moins inventifs, ils arrivaient moins bien à chasser, à faire des stratégies de chasse, à, améliorer leur habitat, etc. Et c'est pour ça que les humains sont devenus de plus en plus intelligents. Et c'est aussi le cas sur notre psychologie, nos émotions, etc. Et par exemple, nos désirs sexuels, ils ont été mis en place dans notre cerveau pour nous pousser à nous reproduire, à rencontrer des personnes du sexe opposé, etc. Mais le problème de cette sélection naturelle, c'est qu'elle met du temps à arriver. Donc on met du temps à s'adapter à notre environnement. Et en fait, là, notre société, elle a évolué tellement plus vite que notre cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter à ça. Et typiquement, il y a des choses qui sont apparues, comme le porno, qui dérègle notre cerveau, mais aussi exploite notre cerveau d'une certaine manière, où de base, ces pulsions sexuelles, elles étaient là pour qu'on ait approché des personnes du sexe opposé. Et maintenant, en fait, elles poussent juste une grande partie de la population à regarder du porno. Mais ça, au final, c'est pas bon pour nous, parce que peut-être que ça marche sur le court terme, mais à long terme, tu te sens moins bien et tu n'as pas ces connexions sociales, tu n'as pas cette sécrétion d'oxytocine que tu as, par exemple, quand tu rencontres une femme, tu ne l'as pas en regardant du porno. Et donc, le cerveau bug et il se fait « hacker », entre guillemets, et il nous conduit dans une situation qui, certes, apporte peut-être du plaisir à court terme, mais à long terme, nous détruit la vie. Et donc, tu as le porno qui est venu, t'as les réseaux sociaux qui sont venus, et maintenant, en fait, t'as plein d'humains qui font des trucs qui sont pas bons pour eux, mais vu que notre cerveau s'adapte pas, on tombe dans un piège, et y a pas mal de personnes qui arrivent pas à en sortir. Et ce serait quoi les conseils qu'on pourrait donner à des mecs qui sont relativement jeunes, et qui justement sont pas forcément dépendants du porno, tu vois, mais qui souffrent Je pense qu'ils sont dépendants. Dépendants ? Faut vraiment voir ça comme une addiction. Faut voir ça comme une addiction. Si tu manges de temps en temps sucré, c'est pas grave. Si t'as besoin de manger sucré tous les jours, ou en tout cas plein de fois par semaine et très sucré, tu vois, c'est grave parce que ça dérègle la chimie de ton cerveau. Toi, tu connais bien le fonctionnement de la dopamine, mais comme tu l'avais dit, en fait, le problème, et c'est un des critères pour définir une addiction, c'est que t'as besoin de toujours plus. Et que, au bout d'un moment, même en le faisant, t'en tires plus vraiment de plaisir. Donc, tu vois, tu manges sucré un petit peu de temps en temps, tu vas au resto, tu te prends un dessert, c'est cool, c'est bien. Mais le mec qui s'envoie 3 paquets de cookies tous les jours, au final, il aime même plus vraiment les cookies et en fait, il est accro. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont dans cet état-là par rapport au porno. Si t'arrives pas, par exemple, à ne pas regarder de porno pendant 2 semaines, pour moi, t'es accro. Tout comme un mec peut être accro à la clope ou à la coke, ou etc. Et je pense qu'il y a déjà ce switch qu'il faut faire. Parce que si tu te dis c'est normal, je suis pas accro, ouais, tout le monde le fait, j'ai une consommation de vidéos pornographiques normale, tu vas jamais essayer de changer ça et tu vas jamais mettre des stratégies pour t'empêcher de le faire. Alors que si tu vois ça vraiment comme une addiction, là, au moins, t'es conscient du problème. Ça veut pas dire que ça va être facile à résoudre, mais au moins t'as une attitude plus productive par rapport à ça, quoi. Ce serait quoi les conseils que vous pourriez donner à des mecs qui aimeraient s'en sortir, qui aimeraient rencontrer plus de femmes ou avoir plus de succès avec les femmes, pouvoir se mettre en couple? Comment on fait quand on a entre 18 et 24 ans et qu'on a toutes ces tentations qui sont à portée de main? En vrai, tu peux te former en self-development, tu regardes des vidéos, tu as tout ce qu'il y a sur,
sur du YouTube ou t'as même des formations là-dessus. Je pense que c'est pas. Pour s'améliorer en séduction, en approche et ouais, tout. Ouais, je pense que ça c'est pas mal. Il y avait une théorie, bon elle est un peu à la Andrew Tate, mais qui dit que le 1 ou 2% des hommes ont 99% des femmes. Est-ce que vous y croyez, ou vous pensez que même un homme qui a peu de succès d'un point de vue statut social peut avoir n'importe quelle femme? Ben t'as cette stat, hein, elle est véridique, et on a des stats très précises avec des applications comme Tinder par exemple. On mettra peut-être le fact-check, je sais plus exactement les proportions, mais imaginons, t'as 5% des profils Tinder qui ont des matchs avec 60% des profils féminins, tu vois. Donc c'est le cas dans les applications de rencontres, et je pense aussi du coup que c'est le cas dans la vie en général. Et le problème avec Internet, c'est que, en fait, c'est une marketplace, Internet. Avant, il y avait plein de petites marketplaces locales, tu vois. Il y avait la marketplace de séduction de ton village. Et donc, tu étais en concurrence que contre les hommes de ton village, en fait, au final. Donc, ça allait, tu vois. Maintenant, c'est beaucoup plus extrême, où t'es en concurrence avec le monde entier, ou ton pays, au moins, ou les gens qui parlent ta langue, ou alors tous les gens de ta ville. Et donc, c'est très compliqué, parce que les femmes, du coup, elles voient qu'elles peuvent avoir accès aux meilleurs hommes, entre guillemets. Et il y a un syndrome comme ça. En gros, les hommes trouvent beaucoup plus de femmes belles que les femmes trouvent d'hommes beaux. Mmh. En gros, tu vois, genre, si tu demandes aux femmes de noter des hommes sur 10, ouais, il va y avoir énormément de mecs notés genre à 5, 6 en dessous, et très peu genre 8, 9, 10. Alors que si tu fais l'inverse, les hommes vont donner des notes plus élevées à un plus grand nombre de femmes. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as des femmes qui, du coup, se concentrent sur ce 1% des hommes. Ce 1% des hommes, ils peuvent avoir tellement de femmes qu'ils en ont rien à foutre. Donc, voilà, ils couchent avec, après, ils passent à une autre. Et donc, en fait, tu as plein de meufs qui sont là. Ah, putain, je tombe à chaque fois sur des connards. Parce qu'en fait, elles se concentrent sur le 1% qui, en fait, a tellement de choix qu'il va très probablement soit pas se mettre en couple, soit les tromper. Et de l'autre côté, t'as énormément d'hommes qui passent inaperçus aux yeux des femmes, quoi. Donc c'est galère, hein. C'est de nouveau, c'est un dérèglement de la société parce que notre cerveau n'est pas adapté au monde moderne. Et là, ce serait bien si on pouvait re-régler, tu vois, recâbler les cerveaux humains, mais on ne peut pas. Donc la solution, c'est pas de se plaindre, c'est pas de se dire c'est injuste, et c'est de faire tout ce qu'on peut pour arriver dans le 1%. Et si tu regardes, le 1%, c'est quoi? C'est quoi le 1% de ce qui séduit le plus les femmes? Bon, il y a logiquement le si t'es beau ou pas, donc ça tu peux rien y faire. Mais c'est pas parce que tu peux rien y faire sur le fait que tu sois beau ou grand ou ce genre de choses que faut abandonner. Tu vois, il faut se concentrer sur les choses qui sont en ton contrôle. Et si par exemple tu fais du sport, donc physiquement, t'es en bonne forme physique déjà là, tu augmentes tes chances. Bien s'habiller, t'augmentes tes chances, avoir une bonne hygiène, t'augmentes tes chances, et ensuite, bien sûr, là où tu vas avoir le plus gros levier, c'est tes capacités de séduction. Et il y a pas mal de sujets, en fait, qu'on voit comme des trucs que tu as ou t'as pas. Et moi, j'ai plus un mindset de me dire que plus ou moins tout est un skill, tout est un truc que tu peux améliorer. Donc, si t'es nul en foot, tu vas pas te dire oh je suis nul en foot, oh horrible, je ne pourrai jamais marquer de but. Tu te dis je vais aller jouer au foot, je vais m'entraîner, je vais manger sain, je vais trouver le meilleur entraîneur, je vais prendre les entraînements au sérieux. Puis si tu le fais pendant assez longtemps, tu deviens meilleur. Faut la même chose pour la séduction. Si t'es pas quelqu'un qui a la tchatch comme ça, qui te vient naturellement, faut te mettre dans des situations où tu t'entraînes entre guillemets à la séduction. Donc faut te forcer à rencontrer des filles, il y a des vidéos, franchement il y a des livres, il y a des trucs, tu peux regarder, il y a des blogs, tu lis, tu parles à des filles, t'essaies d'analyser, tu fais une blague, il y a personne qui rigole, tu dis j'essaie de pas refaire la même, tu vois. et t'avances comme ça. Et après, il y a un gros truc qui empêche aussi pas mal de mecs de s'améliorer en séduction, c'est qu'ils osent pas parler aux filles, parce que t'as un peu ce moment quand même qui est un peu gênant. Gênant. La confiance en soi, c'est comme un... Mais la confiance en soi, elle vient avec la pratique aussi, hein. Tu vois, hier, j'étais en train de mixer en boîte.
bah, de base, les premières fois où tu vas, tu fais DJ, il y a une foule, etc., bah, tu stresses. T'as pas confiance en toi en tant que DJ. Mais c'est pas parce que t'es une personne qui a pas confiance en soi, c'est parce que tu l'as jamais fait. Si tu te forces les 5 premières fois, voilà, t'es un peu stressé, etc., tu fais un peu de la merde, t'as le stress, machin. Si après, ben, tu l'as fait 15 fois et que les 10 dernières fois, ça s'est super bien placé, la 16e fois, bah, t'as confiance en toi. Mmh. Bah, c'est la même chose avec les filles. Si jamais tu oses aller parler à une meuf, bah oui, et tu vas pas avoir confiance en toi. Et puis les premières fois que tu vas parler à des meufs, bah tu vas être awkward, quoi, tu vas être gênant. Mais au bout de la 20e, de la 50e fois, bah là tu sauras plus ou moins comment ça se passe, tu auras l'habitude et ce sera beaucoup plus facile. Et là où tu peux aussi avoir un bon levier, c'est toujours d'utiliser la stratégie de l'inverse. À chaque fois que j'essaie de résoudre un problème ou de m'améliorer dans quelque chose, etc., pas mal de personnes se concentrent sur ce que tu peux faire. Mais ce qui marche bien aussi, c'est de regarder ce que tu peux arrêter de faire. Et je pense que, par exemple, si tu arrêtes de regarder du porno, bah, vu que tu n'arrives pas à avoir cette satisfaction sexuelle, entre guillemets, bah, ton cerveau va s'enclencher et il va te pousser pour que tu puisses l'avoir d'une autre manière. Donc si tu te fermes cette porte, tu te fermes la porte du porno, bah, il te reste plus que la porte de rencontrer des filles. Et bah, là, du coup, tu seras beaucoup plus motivé pour voilà, peut-être passer à travers ta peur, t'améliorer. Ta motivation, elle va être augmentée. Et bah, là aussi, tu vas pouvoir devenir meilleur. Je pense que le problème, c'est aussi la facilité d'accès au porno qui fait que bah, les gens beaucoup moins confiance et tournent vers le porno plutôt que d'aller... C'est clair. T'as accès à toutes les plus belles femmes du monde en deux clics, VS, comme tu disais tout à l'heure, l'effort que tu dois faire pour pouvoir avoir la récompense dans la vraie vie, c'est disproportionné. Moi, je pense que, comme tu dis, Yomi, il y a un vrai travail à faire sur soi pour pouvoir déjà sortir de la dépendance et ensuite pouvoir être à l'aise. Vous, c'est un travail que vous avez fait de manière proactive, le fait de parler à des filles... Yomi, je sais un petit peu, toi, Kanou, est-ce que t'as fait ça aussi ou est-ce que... Après, Kanou, il est dans une situation un peu différente. Vas-y, c'est développe ton propos. Moi, je connais la théorie, mais... La théorie et la pratique, du coup, c'est que... il a eu un petit cheat code, tu vois, le mec, il est né, il a fait clic droit, à gauche, en haut, en bas, tu vois. Et en fait, du coup, le mec, il fait 2 mètres, 2 mètres 4, métis, beau gosse, tu vois, tout ça. Donc il a un peu moins besoin, disons, de se casser la tête. il a pas dit non, tu vois. Tout le monde joue sur ses atouts. Hein. Je veux pas mentir là-dessus. Toi, Yomi, ça a été un peu moins naturel, t'as dû bosser. Ouais. Tu nous as déjà raconté que t'as fait des... Moi, je me suis entraîné. Ouais. En fait... Et au début, tu sentais que t'étais awkward? Ah ouais, bien sûr. Moi, la première fois... que je suis allé parler à une fille, une inconnue, que j'étais en Australie. Franchement, je pense le moment le plus gênant de ma vie. Horrible. Horrible. J'étais en Australie comme ça, tu sais, je me suis dit, vas-y, je suis en endroit, il n'y a personne qui me connaît. Bah, on va essayer, tu vois. Et j'ose pas. Donc j'étais dans la rue comme ça, Surfer Paradise, une petite ville en Australie. J'ai marché pendant une heure. Et je sais pas. Et après, tout d'un coup, je me suis dit, bon, vas-y. En plus, j'étais alarmé à ce moment-là et j'étais là, mais mec, t'es capable de pas dormir pendant des jours, faire des marches pendant des heures et des heures, porter des sacs ultra lourds et t'oses pas juste parler à une fille alors que il va rien t'arriver, genre, au pire, c'est gênant pendant 2 secondes, tu te barres, c'est pas grave. Et j'étais là, bon, vas-y, c'est bon, vas-y, tiens, t'arrives, et après tu tournes. J'ai fait ça, genre, 10 fois, puis après, au bout d'un moment, je l'ai fait. Et blanc sur blanc, je bégayais, je parlais tout doucement, la meuf, elle comprenait rien. Horrible. Mais après, tu refais, puis après, ben... Tu penses que c'est parce que tu sacralisais un peu trop le truc, où tu voyais les meufs sur un piédestal et... Non, mais je pense qu'il y a un truc qui s'appelle, en anglais, ils appellent ça approach anxiety, genre en gros la peur d'aborder des inconnus en fait. Okay. Et t'as des gens qui l'ont plus ou moins,
C'était dans le podcast que j'ai raconté l'histoire de mon pote de Harvard. Ouais, je crois. Ouais, lui, ouais. C'est ça. Bah lui, il l'a pas, tu vois, par exemple. Lui, il peut aller parler dans la situation la plus gênante de l'histoire, aucun problème, tu vois. Moi, je l'ai, genre, j'ai une appréhension. Et bah, c'est une peur, c'est tout simplement une peur. Donc, soit tu laisses la peur te consumer, soit tu passes à travers. Donc, bah ouais, j'ai mis du temps, mais j'ai réussi à passer à travers. Et c'est de nouveau, hein, c'est dans les gènes, hein, c'est la psychologie humaine, on revient encore à ce truc, hein, tu reviens au truc des hommes des cavernes, à l'époque il n'y avait pas des millions d'inconnus dans ta ville, à l'époque c'était une petite tribu de 100 personnes, donc si tu allais approcher une fille de ta tribu que tu connaissais pas trop et que tu faisais de la merde, après t'avais plus trop de chance, tu vois, donc t'avais intérêt à pas trop faire de la merde, quoi. Donc c'est pour ça que ton cerveau il stresse, il a ouais mec, si tu vas parler à quelqu'un que tu connais pas, c'est bizarre ce que t'es en train de faire, c'est pas bien, et en plus tu peux niquer ta réputation auprès de toute la tribu, tu vois. Alors que maintenant c'est plus la même chose. Toi tu t'es formé dessus, t'es développé ou... Non, j'ai jamais fait de travail sur ça. Mais après genre tu t'es forcé, genre je sais pas, tu vas à une fête avec des potes, tu rencontres des gens quoi, tu te forces un peu à engager la conversation. Ouais, c'est pas un truc naturel, je pense de toute façon c'est... Il y a des gens qui ont ça dans le sang, la séduction ça leur vient hyper facilement, mais pour la plupart oui il faut se forcer un peu au début et après j'ai l'impression que quand même les standards des filles de manière générale, hein, je parle bien sûr, sont quand même beaucoup moins élevés que la perception qu'on en a en tant qu'homme. Et qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très jolies, tu pourrais te dire au premier abord, putain, ça a l'air intouchable. Et au final, bah non. Donc ouais, comme tu dis, Yomi, c'est de la pratique, c'est de l'entraînement. Après, faut quand même qu'on relativise, parce qu'on est quand même dans des positions où on est sacrément avantagé par rapport à la moyenne. Parce que t'es quand même riche, t'es en bonne forme physique, t'es grand... Voilà, enfin tu vois, je pense que le mec qui a 19 ans, qui est maigre, qui a pas une thune, qui a de l'acné, etc., tu vois, c'est quand même plus chaud. Hein. Donc toi, tu dirais que d'abord, il faut faire un travail sur soi, développement personnel à fond pendant quelques années, pour augmenter sa valeur au niveau du marché en général, et derrière, avoir ce cheat code. Ouais, en fait, je pense que tu as des stats. Disons que on peut voir ça un peu comme un jeu vidéo. T'as des stats, genre t'as la stat beauté, t'as la stat taille, t'as la stat forme physique. T'as la stat, je sais pas, humour, charisme, capacité de séduction, statut social, argent, etc. Et en fait, je pense que tu dois essayer de monter toutes ces stats au maximum. Et il faut faire gaffe par contre, parce que si t'as une stat tout en bas, même si t'as le reste qui est en haut, ça marchera quand même pas. Donc c'est pour ça que tu vas voir des mecs qui sont genre riches et qui galèrent quand même avec les meufs. Parce que ben, ils sont ultra nuls en séduction par exemple. Donc, ou ils sont pas du tout drôles. Donc je pense qu'il faut essayer de tout monter à une bonne base et voir là où tu as le plus de lacunes et là où tu peux le plus t'améliorer et améliorer ça. Et quand tu es jeune, tu vois genre tu as 18 ans, je pense que c'est aussi une bonne strat de pas trop te focus sur ça quand t'es trop jeune, tu vois, de te dire ma jeunesse, je me concentre quand même plus sur ma carrière, apprendre des trucs, devenir une personne intéressante, devenir voilà, quelqu'un qui pourrait apporter quelque chose à une femme, et pas négliger quand même la partie séduction pour pas qu'elle soit trop basse, parce que sinon t'arriveras pas, mais... Je pense que c'est une erreur de passer genre, tu vois, de tes 18 ans à tes 30 ans juste à courir après des meufs en boîte de nuit. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure strat, quoi. Ouais, clairement. T'es d'accord, Canou? D'abord faire un travail sur soi et ensuite ce sera plus facile. En vrai, si t'as de l'argent, que t'es en bonne forme physique, tu prends soin de toi, tu t'habilles bien, après faut juste pas être méga awkward, quoi. Et... T'as déjà fait la plupart du taf. Quoi. Ouais. Ouais. Vous pensez que dans le cerveau des femmes, c'est comme des cases que tu coches? Je pense que les femmes sont très différentes. T'as des femmes qui se concentrent presque uniquement sur le physique. Genre, moi j'avais un pote au lycée, vraiment beau gosse, etc. Mais le mec, aucune tchatche. Vraiment zéro tchatche, tu vois. Et ben, t'avais plein de meufs qui du coup étaient pas du tout intéressées.
Mais t'en avais d'autres qui en avaient rien à foutre. Et ils trouvaient ça limite chou que le mec, tu vois, il soit timide, il bégaye quand il parle ou quoi. Et à l'inverse, t'as des meufs qui vont choper un mec qui est dégueu, quoi, physiquement. Mais parce qu'il est drôle, ça leur suffit. Donc après, il y a aussi une question de quantité, quoi. En fait, si tu t'exposes à plus de partenaires potentiels, ben, t'as plus de chances de tomber sur quelqu'un qui te convient. Il y a aussi ça. Ok. Ok. Donc voilà, on a petite stat sur, sur le taux d'activité sexuelle des jeunes et Français. Et si on retourne le truc, hein, parce qu'on parle beaucoup des hommes à chaque fois, c'est quoi les conseils que vous donneriez pour les filles? Qu'est-ce qui a marché sur vous? Pour qu'une fille ait un profil attractif, je pense que la beauté compte beaucoup. En tout cas, moi, c'est mes goûts personnels. Hein. J'accorde, je valorise moi, la beauté. Moi, j'aime les moches. T'aimes les moches? Ah, bah chacun ses goûts. Hein. Non, mais généralement, ouais, la beauté chez les femmes a beaucoup de valeur aux yeux des hommes. Et ensuite, moi, j'ai plutôt un trait de caractère introverti, donc j'aime bien avoir une balance avec une fille qui est plus extravertie que moi. Alors, je peux faire un comparatif parce que du coup, j'ai eu plusieurs types de relations. Maintenant, ce qui me plaît plus, c'est que la, ma compagne... soit pas à mon service, mais que elle m'aide, genre... elle m'aide et elle me supporte dans ce que j'entreprends, et elle essaie de me rendre la vie facile pour que moi je puisse me concentrer sur ma zone de génie entre guillemets. Donc ouais, moi c'est ça. Ah, mais t'as changé, non? Ouais, j'ai changé. Avant tu, ouais, avant, on a fait un podcast si tu voulais. Et pourquoi t'as changé? Je sais pas, c'est l'expérience. L'expérience, ça prend beaucoup. Je retiens les leçons. Non, mais ouais, voilà, mes goûts ont évolué avec le temps et maintenant je sais plus ce que je veux. Ok. Mais en termes de. Parce que là, c'est plus dans la relation. En termes de séduction, genre. Non, même avant. C'est Ah, séduction pour une femme, ouais, séduise genre... un homme. Ouais, exact. Ok. Imaginons une fille, genre physiquement, c'est pas la fille la plus belle que t'as vu de ta vie, donc elle peut pas te séduire uniquement de par son physique, mais elle te plaît quand même, tu vois, donc t'es pas non plus repoussé par son physique. Qu'est-ce qu'elle peut faire comme comportement, action, etc., qui va plus, qui va maximiser ses chances de non, séduire, en tout cas. Qu'elle essaie de rigoler, qu'elles soient un peu faux-folles. T'aimes bien les faux-folles, toi? Non, mais les meufs qui essaient de séduire, elles font ça généralement. Ah ouais, elles font les folles, genre elles se mettent à côté de toi. Je pense que l'énergie et la vibe est vraiment important dans la séduction. De ouf. Mmh. De ouf. C'est-à-dire, genre... Bah, que si, par exemple, t'as une fille qui est... Je sais pas, elle a une énergie un peu neutre, enfin... Il n'y a pas grand-chose, quoi. Ouais. Tu ne vas pas être attiré vraiment vers elle, alors que si elle engage la conversation... Ça dépend. Tu sais, t'as des mecs qui aiment ça, justement. Les meufs réservées? Ouais, qui donnent un peu rien, tu vois, où tu dois vraiment galérer, etc. Ça dépend. Mais ouais, je pense que je suis plus de ton avis aussi. Je pense qu'une fille, en vrai, si elle veut maximiser ses chances de séduction... Imaginons, t'es dans un bar, j'essaie de réfléchir. Dans un bar, je pense... Déjà, vas-y, pardon, j'ai voulu rajouter un truc. Déjà, je pense qu'il faut qu'elle joue sur ses atouts physiques, si elle veut... si elle veut séduire un homme, parce que c'est ce qui nous percute généralement le plus l'attention, donc ouais. Qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle soit bien apprêtée, qu'elle mette ses formes en valeur, si elle en a. Toutes ces choses-là, ça va maximiser ses chances pour qu'un homme lui apporte de l'intérêt. Après, la difficulté... Après, pas tout, je peux pas être vulgaire non plus, hein. Non, faut pas être vulgaire, faut rester classe. Mais la difficulté que vont avoir, je pense, certaines femmes qui recherchent une relation sérieuse et qui cherchent à séduire, c'est que si elles sont trop directes, ouais. L'homme pourrait interpréter ça comme une relation d'un soir. Donc en fait, c'est très subtil quand t'es une femme. J'avais pas vu le truc de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a tout un jeu en fait de séduction qui est très différent, mais qui peut être maîtrisé. Ouais, t'as raison. Enfin, moi je sais qu'une fille qui me drague, ça me repousse. Ah ouais? Ouais. Que tu le sens? Ouais. C'est quoi, genre? En fait, je pense que inconsciemment, je me dis, si elle me drague, c'est-à-dire qu'elle drague d'autres mecs, c'est-à-dire que c'est une allumeuse en fait, et je me sens pas spécial. Ouais. Tu vois, genre, je me sens. Ouais, voilà. Donc, alors que l'inverse,
Enfin, en fait, je pense, ouais, c'est ça. Faut pas, parce qu'une fille qui est trop froide non plus, aussi, ça a pas non plus fonctionné. C'est la balance. Faut être dans le juste milieu où la fille, elle doit montrer qu'elle est intéressée, mais pas non plus en faire trop et se laisser séduire plutôt que essayer de te séduire, quoi. Après, ça dépend. Tu sais, encore une fois, je trouve que les gens sont très différents. Je sais qu'il y a certains de mes potes, genre, limite, une fille qui les rend un peu jaloux, tu vois, ça va les motiver. Moi, c'est pas juste du tout l'inverse. Ouais, moi non plus. Genre, ouais, une fille qui vient voir toi et après, elle va parler à un autre mec pour te rendre jaloux, moi, no go, quoi. Donc... Ça, c'est un truc qui marche chez pas mal de gens. Hein. De quoi ? Parce qu'ils rentrent comme ça dans une dynamique de compétition. Ouais. Et ça marchait sur toi, tu penses? Bah, ça a déjà marché sur moi. Mais c'est un truc, j'ai le souvenir d'un truc au collège d'une fille qui me plaisait, tu vois. Et elle venait me parler, machin, tu vois, je la kiffais et tout. Et puis elle allait parler à d'autres mecs et ça me rendait encore plus fou d'elle. Encore ouais. Plus, tu vois. Mais encore une fois, tu sais, je parlais du principe de l'inversion. En fait, il est même plus général. Souvent, on pense pas out of the box, en fait, on pense direct à direct. En fait, des fois, il faut faire un petit détour pour atteindre ton objectif. Et en fait, je pense que par rapport à la séduction, un truc qui fonctionne extrêmement bien aussi, c'est pas de se concentrer sur ce que tu dois faire, mais plus de se concentrer sur la situation dans laquelle tu dois être. Dans une négociation, souvent, celui qui a la meilleure négociation, c'est pas celui qui a lu un livre de négociation et qui a dit la bonne phrase au bon moment. Celui qui arrive le mieux à négocier, c'est celui qui en a le plus rien à foutre du truc. Tu vois, imaginons que tu veux négocier un appart. Si toi, tu veux vraiment cet appart, etc., tu vas pouvoir mettre les stratégies de négociation que tu veux. En général, tu vas mal négocier. Alors que si tu as 3 apparts différents que tu peux choisir, et ben là, en fait, même sans trop réfléchir, tu vas bien négocier. Parce que tu n'es pas en train de jouer ta vie, quoi. Et ben, je pense que pour la saison, c'est la même chose. Si tu arrives à te mettre dans une situation où tu as de l'abondance, où en fait, tu as du choix, où en fait, de par, je sais pas, voilà, le fait que tu as travaillé sur toi, tu vas à la salle, tu te mets régulièrement dans des situations sociales et donc tu rencontres beaucoup de personnes, etc. Là, quand tu rencontres une fille qui te plaît, ben, c'est pas genre la seule fille que tu as rencontrée depuis 3 mois, etc. Et donc, automatiquement, parce que tu en as un petit peu plus rien à foutre, eh ben, tu vas être plus, un peu plus nonchalant, tu vas pas être trop needy, etc. Et donc, ça va marcher. Donc, je pense qu'il y a aussi ça que tu peux utiliser. Après, pour une fille, j'ai l'impression qu'elles sont toutes dans l'abondance dès le moment où t'es. Donc ouais, typiquement, tu vas travailler sur, tu vas à la salle, tu t'habilles bien, etc. Tu te fais un bon profil Instagram, tout ça. En fait, automatiquement, bah, rien qu'avec ça, tu vas être dans l'abondance. Et là, bah, si tu rencontres un mec qui te plaît, vu que c'est pas le seul mec qui te plaît que t'as rencontré depuis un an, bah, même sans trop y penser, là, elle sera plus séduisante la fille, je pense. Ok. Intéressant. Donc, bon conseil que les personnes pourront mettre en application. Conseil pour les meufs, franchement. Ouais. Je tellement pas. Mais c'est me saoule un peu parce que, en fait, à chaque fois, je reçois des messages en mode oh, vous parlez que des mecs, etc. Mais c'est tellement plus dur de se mettre dans la peau de. J'ai une aucune femme. Expérience de vie en tant que femme. Donc, c'est comme, tu vois, si je donne des conseils pour le hockey, alors que j'ai jamais joué de hockey, enfin. Je peux regarder du match non. À la télé, mais ce sera difficile. T'es quand même un peu concerné parce que t'es dans l'autre camp. Tu vois, si une femme te donne des conseils de séduction ouais. En étant un homme, tu vas les écouter. Tu penses que les femmes, quand elles donnent des conseils de séduction, c'est des bons conseils ? En général, moi, ça me fait marrer. Des fois, je demande aux filles, genre, c'est quoi ouais. Les conseils de séduction ? En général, j'ai l'impression que c'est pas vraiment très efficace. Elles vont pas te dire, j'aime bien qu'ils me chambrent, j'aime bien qu'ils me taquinent. En plus... Je sais pas, il y en a qui disent ça ? Ouais, quand même. Ok. Mais intéressant. Souvent, ton âge, ils te disent « Ouais, moi, il faut que je sois gentil, attentionné. » Oui, voilà, c'est ça. Tu la vois, je suis pas un connard derrière, t'es là « What ?» Pas compris, là. De ouf. Autre constatation. Apparemment, un Français sur 5 se sent seul et 12% des Français se trouvent en isolement total. Ce qui veut dire qu'ils n'ont aucun ou très peu de contact physique avec leur famille, leurs amis, leurs collègues, leurs voisins ou un milieu associatif. C'est ce que révèle le nouveau rapport de la Fondation de France. Alors, question, est-ce que vous avez déjà fait face à la solitude dans votre vie, des périodes où vous vous sentez seul, par exemple dans le business, c'est quelque chose qui est assez fréquent quand on entreprend, ou est-ce que vous auriez des conseils à donner à des gens qui se sentent seuls ?
Alors moi je me suis senti seul une fois dans ma vie, le Ramna. Enfin non, une fois que tu vois, une fois fort, je me rappelle, il y a, je pense plusieurs fois, mais cette fois c'était marquant, c'est quand j'ai allé en Allemagne en échange linguistique. Ok. Où là, en fait, vu que tu parles pas la langue, t'as un groupe de potes qui parlent et soit tu comprends pas, soit tu comprends le truc, mais ils sont déjà passés au sujet de discussion d'après, tu vois. Ouais. Donc t'as le truc que tu peux dire, mais c'est trop tard dans la conversation et t'as pas envie d'être. Ouais, les gars, on parlait de foot juste avant et j'ai envie de dire que moi je trouve que Arsenal cette année ils ont vraiment du potentiel, tu vois. Tu peux pas faire ça. Et donc ça m'arrivait d'être au lycée et vraiment toute la récré, pendant 30 minutes, c'était comme ça, il y a un cercle, il y a 10 personnes dans le cercle, tout le monde qui parle et toi t'es là. Tu lâches pas un mot. Mmh. Et j'avais plus ou moins des potes, mais c'était un peu galère. Et là, du coup, moi, ma solution, qui était pas forcément la meilleure, c'est que je me suis juste réfugié dans un autre truc. Tu vois. Alors, j'étais à fond dans le MMA à ce moment-là, alors j'ai mis tout mon focus sur un sport. Voilà, je pense que c'est une solution, c'est que tu... mais après, tu t'isoles, donc tu résous pas vraiment le problème. Donc je pense pas que c'est bien. Le mieux, je pense, dans la vie, quand t'as un problème, c'est de reconnaître que c'est un problème et donc de passer en mode résolution de problème. Mmh. C'est genre, tu prends une feuille de papier, t'es là, ok, je me sens seul, et là, t'essaies de résoudre le problème. Et moi, j'ai un petit process maintenant que je mets en place à chaque fois que j'ai un problème dans ma vie, et du coup, bah, je recommanderais de faire la même chose. C'est première étape, identification du problème. Donc, quel est le problème? Et vraiment, tu définis exactement le problème. Parce que des fois, t'en as une idée abstraite, mais le fait de vraiment le définir clairement, ça va déjà énormément t'aider. Et il faut faire gaffe à identifier le problème, parce que peut-être tu vas te dire attends, je sais pas quoi donner comme bon exemple. Par exemple, si ton problème c'est la solitude, ben tu vois, ça c'est déjà trop général. Tu de dire ouais, j'ai un problème de solitude, ça va un peu rien dire. Quel est vraiment le problème que tu as? C'est par exemple, j'aimerais avoir un groupe d'amis proches. Peut-être 3 potes, ça te suffit, ou 2, ou même peut-être t'as juste envie d'avoir un vrai pote proche de toi. Donc tu te dis, objectif, tu vois, résoudre le problème, avoir un groupe de 3 potes avec qui je peux faire des choses toutes les semaines. Donc voilà, là, moi, tu focuses ton cerveau sur un truc précis. Et ensuite, ce qui marche vraiment super bien et ce qui est super simple, c'est de penser de manière latérale. En anglais, ils appellent ça lateral thinking. C'est en fait, la plupart du temps, quand tu essaies de résoudre un problème, tu trouves une solution et après tu bourrines. Tu vois, quand t'as les gens par exemple, ils sont seuls, ils ont envie de se faire un pote et donc leur solution c'est genre, ah oui, il faut que je parle plus à la récré au lycée pour que, et que je fasse des bonnes blagues pour que les gens deviennent potes avec moi, tu vois. Et donc tous les jours ils vont à la récré, ils essaient de faire leurs blagues et au final après ils sont un peu timides, ils disent rien ou ils sont pas spécialement drôles et ça marche pas. Et puis pendant 2 ans ils sont en mode bourrin dans la même solution. Alors que si tu fais du lateral thinking, tu envisages plusieurs solutions au même problème. Donc tu vas partir de, ok, je peux essayer de me faire plus de potes à la récré. Après, tu peux avoir un autre truc, c'est je peux essayer de me faire plus de potes au lycée. Donc peut-être que tu as un autre moment que la récré que tu peux utiliser. Peut-être qu'il y a des gens qui restent après les cours, parler, etc. et que tu peux aller là. Peut-être que en fait c'est pas à l'école et que tu peux t'inscrire dans un club de sport et que c'est là que tu vas te faire tes potes. Peut-être que tu peux te faire des potes en ligne. Peut-être que faut que tu changes la personne que tu es pour que les gens soient plus intéressés d'être potes avec toi et que donc peut-être qu'il faut que, je sais pas, par exemple tu te focalises sur trouver une meuf et après bah, vu que t'as une meuf, t'as la meuf la plus fraîche du lycée, les gens voudront être potes avec toi. Ou peut-être que tu te mets à organiser des soirées, tu vois, comme ça les gens ils ont envie d'être potes avec toi vu que t'es le mec qui organise des soirées. Ou peut-être que tu vas au comité de ton école et du coup tu deviendras automatiquement pote avec les membres de ton comité, tu vois. Là j'ai fait une pensée en arborescence, genre j'ai plein d'idées différentes et juste d'avoir fait cet effort et de t'être dit, à part la solution que j'envisage depuis le début, est-ce qu'il y en a d'autres, et ben ça t'ouvre l'esprit de manière assez dingue. Dans un deuxième temps, ce que tu fais, c'est que tu prends toutes les possibilités que tu as envisagé, tu les classes. Laquelle est-ce que je pense... laquelle a le plus haut taux de réussite probable, selon moi? Tu commences par celle-là et t'essayes. Ça marche pas. Soit tu essayes une autre possibilité, soit même la solution que tu as choisie, tu l'abordes d'une manière différente. Mmh. Et donc, en fait, juste d'avoir toutes ces options et ensuite d'essayer, avec le feedback que tu as, de retenter
ou de changer ta stratégie, si tu fais ça pendant assez longtemps, ton problème est résolu. Il y a tellement de personnes qui ont des problèmes dans leur vie et qui restent bloquées sur le même problème pendant des années parce qu'ils essaient juste de bourriner la même solution en boucle qui ne fonctionne pas. C'est dingue. Et en plus de ça, après, au-delà de tous ces trucs-là, des possibilités que tu as envisagées, tu as toutes les possibilités que les autres personnes ont envisagées, qu'ils ont déjà testées et que tu peux collecter en ayant cherché des conseils. Tu tapes littéralement ton problème sur YouTube, tu demandes à ChatGPT, tu lis un livre sur le sujet, t'implémentes, et franchement, si tu mêles cette attitude résolution de problème, apprentissage avec les autres et dernière chose très importante, action, donc mettre en place, essayer, tenter, même si il faut passer à travers la peur, même si ça va être peut-être awkward, même si tu risques de ne pas réussir et d'avoir un échec, entre guillemets, tu fais ça pendant assez longtemps, tous les problèmes de la vie se résolvent. Clairement. Kanou, t'as déjà eu des phases où tu te sentais seul, toi, ou pas ? Franchement, pas trop. J'ai toujours eu, j'ai toujours bien été entouré. Après, les moments où j'étais seul, par exemple, quand je jouais au basket ou quand j'étais en pro, j'avais d'autres choses sur quoi me focus, par exemple, le basket. Donc, du coup, c'était pas un problème pour moi. Ok. Vraiment, Donc, ouais, c'est drôle, on a tous les trois un petit peu la même réflexion par rapport à ça. Parce que moi aussi, j'ai eu une période où je suis arrivé dans un nouveau lycée. J'habitais à la campagne plus jeune, on a déménagé en ville. Et donc, je connaissais personne. Et comme vous deux, en fait, comme toi avec le MMA, comme toi avec le basket, j'ai trouvé une forme de réconfort, comme j'avais du mal à m'intégrer, à aller à la salle de sport et à m'entraîner et du coup à me faire un nouveau cercle de potes dans cet endroit-là avec qui je pouvais plus connecter. Et au final, je me suis rendu compte avec le recul que si parfois on avait du mal à s'insérer, il faut pas forcer la chose et il faut s'en servir pour aller ailleurs et rencontrer des gens dans d'autres contextes parce que peut-être qu'on connectera plus avec eux au niveau des valeurs, etc. Ouais, outside the box. Moi, je le vois vraiment, genre, les gens, ils essaient de faire comme ça. Ouais, tu forces. En fait, tu fais un tac, tac, tu vois. Ouais, de ouf. tu fais un petit détour, mais t'arrives... Et par contre, si tu veux connecter directement avec les gens, ça m'a fait penser, il y a deux trucs qui font une énorme différence que tu vois dans les livres de networking. En général, c'est un peu tout le temps les mêmes conseils. Et c'est pas pour rien, c'est des trucs qui marchent. Numéro un, c'est les commonalities, genre, je sais pas comment tu dis ça en français. Points communs. Les points communs, exactement. Donc, en fait, essayer de connecter avec des gens juste purement à travers du chit-chat, des blagues, etc. Si t'es pas super drôle ou à l'aise socialement, ça peut être compliqué. Mais connecter avec des gens à travers un sujet qui les deux vous intéresse et sur lequel t'as une certaine expérience, c'est beaucoup plus facile. Imaginons, tout le monde a une passion, tout le monde a des trucs qui les intéressent. T'es passionné de, je sais pas, tu joues aux échecs. Bah, va dans un club d'échecs, rencontre des gens qui essaient de s'améliorer aux échecs en ligne, etc., dans ta ville, après tu peux les rencontrer en vrai, etc. Et ces gens-là, vu que tu as une passion commune, tu vas pouvoir connecter avec eux. Mmh. Tu vois, moi, souvent, quand je connecte avec des gens, c'est parce qu'on a un intérêt commun. Bah, là, nous, c'est souvent en business. Donc, en fait, moi, je peux aller vers quelqu'un qui a une culture différente, qui a un humour différent, qui a un style différent de moi, avec qui j'aurais jamais pu connecter de base, et juste parce qu'on a cette même passion du business, on peut parler du business pendant une heure, et après on sera potes. Donc si t'as envie de te faire des potes, au lieu de dire ouais je vais faire des blagues, liste tous tes centres d'intérêt, essaie de regarder avec qui tu peux connecter à travers tes centres d'intérêt. Ça vraiment c'est un hack. Et le deuxième hack, c'est l'écoute active. C'est, en fait, tout le monde pense que pour faire des potes faut avoir de la conversation. Mais en fait, les gens préféreront toujours s'entendre parler à t'entendre parler, même si t'es super drôle, tu vois. Mm. Vraiment, tu vas vers quelqu'un et tu te dis, pendant toute la période de temps où on est ensemble, mon but, c'est de ne rien dire sur moi. Donc tu poses que des questions ou tu fais des suppositions sur la personne. Parce que si t'es en mode full question, après la conversation elle peut être un peu bizarre au bout d'un moment, ça peut avoir l'air un peu d'un interview. Genre si tu fais que de poser des questions en boucle, surtout si les questions en plus, tu fais des questions qui n'ont rien à voir les unes avec l'autre, ouais. C'est un peu bizarre. Donc si possible, essaye de faire des questions qui sont en rapport avec le sujet de conversation, mais sinon aussi, tu fais des suppositions.
Imaginons, voilà, je te parle, je fais, ouais, t'as fait quoi aujourd'hui? Tu me réponds, ah, t'as du ski? Ah ouais, ça fait longtemps que tu fais du ski, là, ok, ouais, t'aimes bien le ski, là, là. Et après, là, au lieu d'enchaîner sur une quatrième question, je fais, ah ouais, toi, t'as plutôt l'air d'un mec qui fait du freestyle quand tu skis. Tu vois, là, je suis pas en mode question, et en fait, ça donne une autre dynamique à la conversation, et là, toi, quand je te pose cette question, tu vas être beaucoup plus intéressé par la conversation parce que tu vas soit être en mode « Ah ouais, de ouf, putain, comment t'as deviné ?» Soit tu vas être « Non, pourquoi tu penses ça ?» ouais. Tu vois, et après, là, tu peux dire « Oui, parce que t'as plutôt un style comme ça. » Tu vas « Ah ouais, non, en fait, ouais, je sais pas. » C'est plus intéressant, quoi. Tu polarises. Ouais, tu exactement. Polarises, ouais. Et du coup, le mec est obligé de se défendre ou alors d'aller dans ton sens. Ouais. Ouais, trop bien. Ça, je pense que c'est des bons conseils à mettre en application. Si vous faites partie des 12% des Français. C'est important, c'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème. Il y a des études. C'est un vrai problème, la solitude. La solitude, c'est un problème de santé. Hein. C'est un problème de santé, tout comme, je sais pas, l'addiction au sucre ou pas faire de sport. Pas être entouré, ça a un effet néfaste sur toutes tes hormones, ta santé, ton espérance de vie, ton bonheur, ton stress. Donc, si il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont un problème à ce niveau-là, à essayer de mettre en place des trucs qu'on a dit, quoi. C'est probablement d'ailleurs la pire chose qui puisse arriver, parce qu'il y a de nombreuses études, Harvard notamment, qui ont montré que les personnes qui vivent le plus longtemps et qui sont les plus heureuses, c'est des personnes qui ont des relations profondes avec les autres, donc faut en faire une priorité. L'autre jour, j'ai écouté un podcast de Chris Williamson avec Alex Hormozy. Donc c'est des mecs... J'aime bien ce mec, il a toujours l'air méga sérieux quand ouais, tu parles. Ouais. J'aime trop quand il lit les quotes. J'aime trop son intonation. Ouais. Et chaque fois, il part viral. Ouais, ça claque. Chaque fois, il part viral. On voit le truc. Avec une bonne musique. Toi, faudrait que tu lises les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Avec cette intonation. Il a un petit iPad. J'ai essayé de prendre exemple sur lui. et du coup, il soulève un point très important en lien avec le développement personnel et le business. Don't be worried about people who imitate your work. C'est quoi votre rapport à la concurrence? Est-ce que trop de gens se regardent les uns les autres, se comparent? Est-ce que vous les comprenez? Ou est-ce que vous êtes complètement détaché de ça et vous en foutez de la concurrence? Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la concurrence, mec? Moi, je pense que la concurrence, c'est bien. Si quelqu'un imite ce que tu fais, bah, ça veut dire que ça marche, et c'est sur la bonne voie. Donc, je pense que c'est quelque chose de... Tu serais de leur avis, pas d'inquiétude par rapport aux gens qui copient? Non. Ça t'énerve pas? Si t'es focus sur ce que tu fais, ok, ça va être dans ton esprit, mais après, le plus important, c'est que tu sois focus sur ce que tu fais, pas sur ce qui est à l'extérieur, quoi. Dans le basket, par exemple, toi, c'est un truc qui t'a plus servi que desservi, le fait d'avoir de la concurrence et... Ouais, plus servi que desservi, ouais, c'est sûr. Des compétiteurs. En tout cas, ouais, bah, j'ai eu de grands changements, en tout cas, quand je suis allé en centre de formation et que j'ai vu le changement entre l'équipe auquel je jouais en Suisse et que j'étais un des meilleurs. Et je suis arrivé en France et il y avait des gens qui étaient de ma taille, qui avaient le même profil que moi. Et là, ça te pousse vraiment à passer au niveau supérieur, quoi, et à être meilleur qu'eux, quoi, en tout cas. Ok. Donc ouais, toi, de ton expérience, ça a plus été un truc qui t'a dynamisé et qui t'a permis de progresser. Ouais. Mmh. Ok. Toi, Yomi, tu penses quoi de la concurrence de manière générale? Concurrence ou copier? D'abord concurrence. J'aimerais avoir ton avis. Est-ce que toi, c'est un truc auquel tu penses dans le business? Je vais être le meilleur. Ou est-ce que franchement, c'est dur à dire. Alors, je suis très compétitif comme mec. J'aime pas perdre, j'aime gagner. Je me suis toujours mis dans des situations où j'étais en concurrence à travers le sport, même mes hobbies, etc. Tu vois, genre, je sais pas, si je joue aux échecs, je vais pas juste jouer aux échecs, je vais genre vraiment essayer de gagner la partie. Je vais aller regarder des tutos d'échecs, tu vois. Genre, j'ai toujours un peu ce mindset compétition, etc. Mais après, je suis pas très focalisé sur la concurrence, en fait. C'est plus... Je suis focalisé sur essayer de gagner, mais je ne suis pas trop focalisé sur les autres. Et par exemple, tu vois, si on me copie, et ça arrive souvent dans le business qu'on se fasse copier, etc. Jamais ça m'a... Enfin, tu vois, tu es là, ça te fait marrer. Mais jamais genre, ça m'énervait, quoi, en fait. C'est un truc qui vient, et en fait, si on te copie, c'est-à-dire que tu as fait un truc bien. Et en fait, tu ne vas jamais perdre ton business parce que quelqu'un t'a copié. Si tu perds ton business parce que quelqu'un t'a copié, parce que
t'es pas bon. T'as eu un coup de chance. Tu vois, t'as trouvé un truc bien par chance. Et on te l'a copié, et quand t'avais plus d'avantage, tu t'es fait défoncer. En fait, t'es juste moins bon et t'as eu de la chance. Donc raccroche-toi pas au fait qu'une fois t'as eu un coup de chance et t'as inventé un truc bon pour dire qu'en fait, ah, si mon business marche pas, c'est parce qu'en fait tout le monde m'a copié, etc. C'est des méchants, les autres, etc. Non, si t'es vraiment bon, bah en fait tu vas continuellement trouver des trucs que les autres n'ont pas trouvé. Ils vont te copier, ils seront en retard, ils vont te copier moins bien que toi. Donc même en copiant, tu vois, moi c'est par exemple mon concours Instagram. J'ai fait un concours Instagram, genre méga buzz, etc. Direct après, genre un mois après, il y a un autre mec qui a fait le même, genre le même strat, exactement la même chose. Et son concours, il a fait, je sais pas, genre peut-être 5 fois moins de résultats que moi. Et après, il y en a eu plein d'autres. Et il n'y a jamais quelqu'un qui a eu les mêmes résultats. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment compris ce qui avait fait fonctionner le concours. Ils ont juste regardé, ah oui, en fait, il faut payer des influenceurs, il faut faire des photos. Et voilà. Mais en fait, non, il y avait plein d'autres trucs derrière que les gens n'avaient pas vu. Et ensuite, voilà, moi j'ai arrêté de le faire. Maintenant, il y a d'autres personnes qui le font. Ben, ça marche pour eux, c'est pas grave. Moi, j'ai d'autres stratégies qui fonctionnent encore mieux. Et je reproduis plus cette stratégie parce qu'elle sert plus mes objectifs de la même manière que c'était le cas avant. Et j'ai évolué en fait. Mmh. J'ai pas trouvé une fois un truc et je suis resté keblo dessus. Donc. Si tu t'énerves énormément par rapport au fait qu'on t'ait copié, pour moi, c'est que, en fait, t'as juste eu un coup de chance et que tu mérites même pas, au final, vraiment, le succès que t'as eu. Mmh, clairement, clairement. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis et ça me fait penser... parce que, au final, dans le business, tu peux pas vraiment déterminer un gagnant ou un perdant comme tu pourrais le faire dans une partie d'échecs ou comme tu pourrais le faire en jouant à la play. Donc, c'est plus difficile, je trouve, de se mettre dans un état d'esprit concurrence, je vais battre les autres. Tu sais, on en avait déjà parlé une fois dans un podcast, « Je finis, jeu infini » de Simon Sinek. Moi, je suis assez de cet avis. Dans le business, je pense que, étant donné qu'il n'y a pas de fin établie, il faut mieux se concentrer sur soi, essayer de donner le meilleur de soi-même et voir les résultats plutôt que de se dire ce que... Voilà, qu'est-ce que va faire le voisin et ouais. Comment est-ce que je pourrais le. Ouais, ah, le battre. C'est un faut qu'il faut te concentrer sur toi-même et l'objectif et pas les autres. Mmh. Et. En fait, il faut prendre ce que la compétition peut t'amener et pas prendre ce qu'elle peut t'amener négatif, en fait. Donc, par exemple, moi, de savoir que j'ai des concurrents, etc., c'est pas du tout mon focus, mais en soi, ça peut potentiellement m'amener à me surpasser et me donner une énergie supplémentaire. Donc ça, je le prends, cette énergie supplémentaire. Mais après, le fait d'être énervé ou de voir ça comme une guerre ou de vouloir aller descendre les autres, pour moi, c'est un peu le côté sombre de la compétition. Et bah, ça, faut s'en défaire. Mmh, clairement. On passe au jeu. Vas-y. Vous êtes chaud? Alors, premier jeu, j'ai préparé pas mal de jeux. Ça va être full moi VS Canou, ouais. VS Canou. Si tu veux, on peut refaire une tentative avec Théo pour lui dire qu'il y a les jeux. Mais il répond pas. Mais toi, tu connais tous les jeux. Je veux... Ouais, fuck. Après, si tu as des idées, tu vois, par rapport aux jeux qu'on fait. Ok, vas-y. Là, par exemple, on va faire surcoté ou sous-coté. Donc le principe est très simple. Je vais dire un truc et eux, ils vont donner leur avis si c'est surcoté ou sous-coté. Si tu as des idées, tu peux aussi balancer un truc, tu vois. Ouais. Alors. Première chose, on a même pas donné le cadre du podcast en fait. On a même pas dit qu'on était à Courchevel. Bah si, au début. On l'a dit. Bah, je crois que c'est okay. Ça ou quoi. Bon, on l'a dit. Bon, alors on l'a dit. Bon, je crois qu'on l'a dit. Hein. Ça va, on est en vacances. On s'est dit, on va faire un podcast détente. De base, il y a mon pote Théo qui devait être là, mais il est un peu fatigué. Et du coup, on veut être un peu en mode chill. Donc là, on a des jeux. Ça va être assez marrant. Drake. Sur côté ou sur côté? Ah ok. Drake. Je dirais good rated. Bien bon niveau. Bien comment dire, ranké, bien évalué. Bien évalué. Sous-côté. Ouais. C'est des mecs qui a le plus de succès dans ce qu'il fait. Il a beaucoup de haters. Hein.
Ah d'accord, ok, je savais pas. Ouais, il y a beaucoup de haters, beaucoup de gens qui disent qu'il mérite pas, que il y a d'autres meilleurs rappeurs que lui, qui devraient, etc. Mais en fait, je pense que les gens sous-estiment le degré de difficulté qu'il y a à être au top et rester au top. Surtout dans des milieux ultra compétitifs comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comparer Drake à genre Eminem ou à genre, je sais pas, il y a qui comme enfin, Michael Jackson, peut-être pas, mais en vrai, tu vois, il dépasse pas Michael Jackson, mais il est dans les mêmes sphères pour moi. Et en fait, Michael Jackson, tu vois, il est idolâtré à un point incroyable parce que c'était à l'époque, c'était avant les réseaux sociaux, c'est une icône, etc. Mais moi, j'aime bien essayer d'être objectif quand t'évalues le degré de succès des gens. Et donc, je regarde surtout les stats. Et en fait, les gens, souvent, ils prennent des trucs subjectifs, genre en mode « Ah oui, je trouve que lui, il a des meilleurs lyrics et tout. » Enfin, ça peut être une manière d'évaluer, mais je trouve que quand même, la métrique la plus objective quand tu évalues le succès d'un artiste, c'est le nombre de ventes. Et donc, de réussir à vendre autant de disques, enfin, maintenant plus des disques, mais de vendre autant... pendant aussi longtemps, je trouve ça tellement impressionnant. Genre, rester au top, genre album après album. Bon, là, il me fait un peu mentir sur les derniers albums, il commence à faire de la merde. Mais il a eu un streak où, genre, à chaque album qui sortait, c'était number one, aucune discussion. Et ça, même si c'est pas de la musique que tu aimes, même si c'est pas un truc méga profond en termes de lyrics, etc., c'est extrêmement dur de trouver une recette. Que le marché apprécie autant et qui va convaincre autant de personnes pendant aussi longtemps. Et pour ça, bah, je respecte énormément, énormément ce parcours. C'est un peu le revers de la médaille de la réussite, j'ai l'impression. Au départ, quand tu commences, tout le monde est un peu derrière toi, tu portais, ouais, envie de te voir réussir. Et au plus tu montes, au plus tu progresses, au plus il y a des gens qui tirent de la satisfaction du fait de devoir te planter. Et donc, comme tu le dis, avoir un mec qui continue succès après succès à rester au top, c'est impressionnant parce qu'il flanche pas sous la pression en fait qu'il peut y avoir. Ouais. Moi j'appelle ça le syndrome Golden State Warrior. C'est horrible ça, néanmoins. Ils sont quoi? Ils sont horribles. Ça. Ouais, mais ils ont eu un streak où ils étaient imbattables, ils gagnaient. Et tu vois le nombre de haters qui sont arrivés sur leur dos. Parce que en fait, ils gagnaient trop en fait. Et... Oui, il y a eu aussi Kevin Durant qui les a rejoints et qui ont gagné. Et d'autres trucs, mais. Il y a eu quoi? Bah en gros, t'as Kevin Durant qui a perdu contre les Golden State Warriors. Tu étais à Oklahoma? Exact. Ouais. Et l'année d'après, il est rejoint. Ouais. Et en gros, c'est une grosse super team. Ouais. Bah. Est-ce qu'ils ont créé la super team de nulle part? De base, ils sont partis avec des joueurs qui n'étaient pas connus, ils n'ont pas fait des transferts de malades ou quoi. Ils ont révolutionné la manière dont on joue au basket et ils ont été au top. Et après, quand tu es au top, ben, tu réinvestis les bénéfices. Ils n'ont pas volé leur place. Non. Moi, j'étais pas pour eux, tu vois. Ouais. Mais j'ai toujours eu de la... C'est le même syndrome que Drake, tu vois. C'est Drake... Enfin, après, Drake, j'aime beaucoup, tu vois. Mais Golden State Warriors, j'étais pas pour eux, mais ils gagnent. Et c'est les meilleurs statistiquement, en tout cas pendant cette période. Et il n'y a rien à dire en fait. Arrête de hate. C'est les meilleurs, c'est tout. Et peut-être que tu ne les aimes pas, peut-être que ce n'est pas ton équipe favorite. Mais tu ne peux rien dire. Selon le critère objectif, c'est les meilleurs. Et ils ont chuté après? Moi, je n'ai pas suivi. Ouais, là, ils ont chuté. Il y a eu pas mal de blessures. Après, tu as Kevin Durant qui est parti à Brooklyn, je crois. Si je ne dis pas de conneries. Et après, maintenant, voilà quoi. Stephen Curry, il joue toujours là-bas? Il joue toujours, mais je crois qu'il était blessé là. Ah. Putain, lui, je me rappelle, il était chaud. Hein. Ouais. C'était quoi, il y a 5 ans? C'était quand la période où il était trop chaud? Je suivais le basket à ce moment-là. Ouais. Moi, ça... Ouais, non, mais il faut pas hate le succès. Quand quelqu'un gagne plusieurs fois de suite, selon un critère objectif de succès, tu peux ne pas être subjectivement fan de la personne, mais tu ne peux pas enlever son mérite. Il y a personne qui reste au top dans un milieu compétitif longtemps par chance. Personne. Et c'est un peu bateau à dire, mais c'est souvent les personnes qui font moins bien que toi qui vont juger ce que tu fais. Toutes les personnes qui font mieux ou qui sont meilleures vont jamais perdre de temps à critiquer ou à hater. J'ai vu une citation de Ngannou l'autre jour sur Insta. J'ai trouvé incroyable. Il a dit « Il faut s'imaginer que tu es une barque et que les gens qui te critiquent, c'est l'eau.
Donc tu peux soit utiliser l'eau pour te déplacer et aller où tu veux, soit tu peux laisser l'eau entrer dans ta barque et couler. Donc tous les haters, tant que tu les laisses pas rentrer dans ta tête, c'est juste un moyen que tu peux utiliser pour atteindre ton objectif. Parce que si tu as des haters, c'est que tu as de l'attention. Et si tu as de l'attention, tu peux l'utiliser pour atteindre tout ce que tu veux. Très fort. Très très fort. Ce Ngannou, il est trop fort, ce mec. Ouais. Il est trop. Mec, ce gars, c'est un des gars les plus inspirants au monde. Je recommande à tout le monde d'aller regarder son interview avec Joe Rogan quand il raconte son histoire, quand il part de chez lui au Cameroun pour venir en Europe. C'est un des trucs les plus hardcore que j'ai entendu de ma vie. T'as beaucoup d'entrepreneurs qui parlent « Oui, machin, j'étais pauvre, etc. » Tu vois, genre moi, genre « Ouais, le mec, il saute je galère et tout, machin. » Et après, là, tu vois que le mec, en fait, il part d'Afrique, il est dans des mines à 12 ans, tu vois. Il travaillait 18 heures par jour dans une mine. Il a dû partir, il a failli se noyer 4 fois. Il a dû traverser le désert, presque mort de faim pour finir SDF, pour machin. Mais, mec, le niveau de galère... pour ensuite devenir champion de l'UFC, knockdown Tyson Fury, dire fuck à Dana White, genre je me barre, j'ai pas besoin de toi, tout le monde se fout de sa gueule, machin, tu vas rien réussir à faire sans l'UFC, bam, le mec il fight Tyson Fury, il fait plus d'argent en un fight que dans toute sa carrière avant, là il va fight Joshua, mais mec, boss, un putain de boss, et... on en a peu des boss comme ça qui parlent français, tu vois, qui sont vraiment des boss à l'international. Tu vois, dans le monde du fight game, récent, pour moi, Ngannou, c'est un peu le Tyson des temps modernes, tu vois. Le mec knockout power de ouf, il va dans le MMA, il va dans la boxe, il a un parcours de malade. En plus, il a commencé super tard à faire des arts martiaux, il avait genre 15 ans, je crois. Non, plus tard. Hein. 17. Truc de ouf. Il a commencé au Cameroun les arts martiaux. Je crois qu'il a commencé quand il arrive. Il a commencé en France. En France, ouais. Mais en il arrive en France tard. Il arrive en France à 30 ans. 20 ans. Non, non, non. Bah, il arrive assez tard en France. Fact checking. Hein. Je pense qu'il arrivait après 25. Ah, c'est un boss. Ouais, très très inspirant. Moi aussi, j'aime beaucoup. Et puis, il est super humble. Moi, j'adore les gens qui ont beaucoup de succès dans leur domaine, mais qui gardent les pieds sur terre. Je trouve ça encore plus inspirant. Kylian Mbappé. En fait, moi, j'ai un syndrome où j'arrive pas à hate sur les gens qui ont du succès, tu vois. Ouais. Donc, le truc que j'ai dit avant. Donc, moi, je vais encore dire son côté. Ok. Mec, c'est un des meilleurs joueurs du monde, très clairement. Il l'a fait très jeune. Le mec, il a fait un triplé en finale de Coupe du Monde. C'est un triplé qu'il a fait. Donc, contre l'Argentine, ouais. Ouais. Mec, triplé de bâtard, mec, il est chaud. Et il est chaud, faut arrêter. Les gens, ils parlent. En plus, le mec, tu vois, genre, il parle bien, machin. Il est quand même, quoi qu'on dise, il est resté à Paris et tout. Après, je sais pas, moi, je suis pas le foot de ouf. Donc, peut-être qu'il a des comportements, des fois, je sais pas, j'ai pas suivi. Mais il mérite pas le niveau de rage qu'il a. D'ailleurs, son transfert, c'est vrai ou du coup il y avait un truc avec 1 milliard, là, qui avait tourné, je sais pas quoi. Mais c'est pas finalisé. Hein. Ça tournicote depuis plusieurs années, et je crois que pour l'instant, non, c'est pas finalisé. Toi, tu te mouilles pas, hein. Tu donnes vas-y, moi, je peux donner, si tu veux. Kylian Mbappé, mais c'est comme toi, je suis pas le foot de malade, donc je peux pas dire, tu vois, sur ses performances récentes, mais c'est ultra inspirant. J'ai un an d'écart avec lui. Le mec, je m'en rappelle... quand j'avais même pas commencé le business, même pas la création de contenu, je le voyais, il était en train de jouer des Coupes du Monde, il jouait des finales de Ligue des Champions. Ouais. Là, il est ultra mature pour son âge. Ouais, ultra mature. Il y a un gars, il est né un an avant moi, ouais. Et regarde tout ce qu'il a accompli, alors qu'on a eu le même temps de vie, tu vois. Ouais, et ça, moi, ça m'a toujours inspiré, ça m'a toujours donné les crocs pour me dire, putain, il faut que tu te bouges le cul, Antoine, regarde ce qu'ils font les autres. Le Super Bowl, c'était le 11 février. C'était tout récemment. Est-ce que vous trouvez ça surcoté, surcoté ? Aucune idée. Aucune idée. Alors, ce qui est intéressant avec le Super Bowl, c'est que les publicités sont très chères. D'ailleurs, t'as vu la pub de Kanye West ? Non, j'ai ouais, pas. Il a des chaussures, non ? Il a pris une vidéo facecam de lui. Il a dit le prix de la pub, on a tout mis dans le prix de la pub. Donc, du coup, je vais faire une vidéo comme ça. Allez sur le site. Énorme. Énorme, franchement, trop énorme fort. La vidéo. Lui, il est sous-coté aussi. Kanye West ? Donc, Super Bowl, vous suivez pas trop Foot US ? Pas d'avis. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la liste ? Les pizzas. Voilà. Surcoté. Surcoté ? Malsain.
les développe. Le sucre, c'est surcoté. Le sucre, c'est surcoté. On pense que c'est le gras qui est malsain. C'est le truc le plus malsain au monde, c'est le sucre. Le sucre rapide, même la pâte. Fuck le sucre, mec. Ok. c'est bon, hein, c'est bon. Je vais pas dire le contraire, mais enfin, moi, je mange des pizzas, hein, mais j'essaye de limiter. Ok. Moi, je dirais les pizzas. Après, en termes de goût, c'est peut-être sous-côté, parce qu'une bonne pizza quand t'as la dalle. Une bonne pizza italienne, vraiment avec des aliments frais, machin, bien choisis, bien dosés, bien cuits. C'est dur à battre. Hein. C'est quoi la meilleure pizza pour vous? Ah, une margarita. Margarita, ouais, avec le jambon et tout. Ah, une vraie margarita italienne, mec. Pff. Franchement, j'ai un pepperoni, moi, je crois. Pepperoni? Bouffala. Moi, j'aime bien la crème fraîche. La truffe. C'est avec les lardons. Et la crème fraîche. Si. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Hawaïenne. On va faire un débat. Hawaïenne. Oui ou non, l'ananas sur la pizza? J'ai eu ma période, mais là ça m'est passé. Ah, franchement, c'est bon. Ouais, moi, j'aime bien aussi. Ouais. En vrai, c'est... Il y en a, je pourrais faire des procès hein, contre la pizza à l'ananas. J'ai déjà vu des mouvements. Tinder, surcoté ou sous-coté? Surcoté, non, je crois. Moi, je dirais surcoté aussi. Pourquoi? Je pense qu'il y a l'impression que. Le pourcentage de mecs qui pécho en même temps sur Tinder, il est pas aussi élevé qu'on croit. Franchement, c'est en fait, clair. Moi je dirais surcoté parce que on prend pas en compte, je pense, avec ces applications de rencontre, le temps et l'énergie mentale perdue à penser qu'est-ce que je vais répondre à un putain de message, quoi. Enfin, moi je me souviens, j'ai très peu utilisé les applications de rencontre, mais à une période, j'ai un peu testé et en fait, toute mon énergie mentale, elle partait dans oh, qu'est-ce que je réponds à ça. Genre, enfin, mec, je préfère utiliser mon cerveau pour d'autres choses dans la vie, quoi. Ouais, non, je comprends. Donc, au moins, si t'es dans la vraie vie, t'as une conversation. Et en plus, ouais, surcoté de ouf, c'est mille fois mieux d'utiliser Insta. Ce que je pense, c'est je trouve que c'est pas efficace. Ouais, ouais. Vous avez des meilleurs taux de réponse avec Insta J'ai jamais utilisé. Mais... j'ai jamais utilisé vraiment ça, mais je pense intuitivement que c'est beaucoup plus efficace. Même tu vas en boîte. Ouais. Après, il y a des gens qui aiment pas. Les boîtes, c'est. Enfin, si. Tard. Les boîtes, ça peut être difficile, hein, pour certaines personnes. Si tu t'entends rien. Tu te couches tard. Tu sais. T'es fatigué le lendemain. T'es fatigué. Moi je pense que moi une des raisons pour lesquelles je vais en boîte c'est la musique hein. Je pense que si t'aimes pas vraiment la musique tu te fais chier en boîte hein. Et tu peux pas parler, t'entends rien. Soit t'aimes l'alcool, soit t'aimes la musique. Si t'aimes les deux bah. Les femmes aussi. Je pense que ouais, mais en boîte pour les femmes. Imagine tu aimes pas l'alcool et t'aimes pas la musique. Est-ce que vraiment tu penses que c'est efficace d'aller en boîte pour... Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont motivés. Je pense qu'il y en a beaucoup. Surtout des gens qui sortent d'une relation, tu vois, qui sont un peu. C'est quoi la meilleure strat? Pour. Pour rencontrer des filles. Alors, je sais pas si je suis mieux placé pour donner des conseils, mais. Le meilleur environnement, disons. Est-ce que c'est Insta? Est-ce que c'est Tinder? Est-ce que c'est un bar? Est-ce que c'est. Dans la rue, est-ce que c'est en boîte de nuit? Si on reprend l'image que t'as donnée tout à l'heure d'un homme avec les différentes caractéristiques qui montrent son niveau, ouais. Tu vois, ça dépend en fait, ça dépend quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses. J'ai l'impression que les boîtes de nuit, il y a tout qui est fait pour que tu rencontres. Les gens sont plus ouverts généralement, les femmes. Ouais, les filles sont... t'as l'alcool, c'est tard. Toi, t'es plus à l'aise en boîte? Ouais. Moi, je pense que moi, je suis plus. Je suis plus à l'aise par Insta quand même. Les boîtes ça favorise aussi pas mal l'apparence. Si t'es beau gosse en boîte c'est facile. Sur Insta aussi. Parce que tu peux pas trop parler. Partout quoi, sur Insta, sur réseau. Ouais, Insta aussi c'est vrai. Mais imaginons t'es pas trop beau gosse mais t'as vraiment de la conversation, peut-être un bar ou un, tu vois. Je pense que ouais, il y a... Parce que les photos mine de rien ça veut tout et rien dire. Et si t'es un mec qui a un minimum de confiance en soi, une forme, tu vois, de bonne énergie, tu vas avoir beaucoup plus de facilité en vrai que sur Insta, où là, vraiment, t'as pas ce leverage-là. Donc, ouais. Mais les photos, en vrai, tu te chauffes sur tes photos, ça fait une grosse diff, je pense.
ouais. Tu te fais un bon profil Insta. Genre, imagine, tu te dis, voilà, pendant un mois, mon but, c'est d'avoir le meilleur profil Insta. Quoi, tu vas, t'as besoin de 9 photos, ouais, peut-être. T'as même pas besoin de beaucoup de photos. Tu fais 9 belles photos, mais aussi qui veulent dire des trucs par rapport à toi, tu vois. Tu fais une photo où t'es avec des potes, comme ça, ça montre que, tu vois, t'as des potes, t'es pas un mec chelou. Tu fais une photo où t'es avec des potes filles, tu vois. Là, ça fait genre, ouais, t'es pas un mec chelou avec les filles. Tu fais une photo où t'es en train de faire genre un sport. Genre, voilà, t'as un truc dans ta vie, une photo où tu voyages, une photo avec un animal de compagnie, comme ça t'es gentil. Et tu vois, genre, tu réfléchis un peu à ça et tu fais des belles photos, tu fais chier à un. Enfin, tu prends un de tes potes et tu te dis, ok, pendant un mois, mission Insta, tu vois. Tu prends des photos de lui, il prend des photos de toi dans les bonnes conditions. Moi, j'ai un pote, il est trop fort pour ça. Le mec, il prend, il organise, genre il va prendre son pote, il va lui dire, toi tu t'asseyes là, il va prendre un autre pote, il va dire, toi tu t'asseyes là, toi tu me regardes comme ça, toi tu vas avoir ta main comme ça ici, tu vois, après il prend la photo, tu vois, et ensuite, ce qu'il fait aussi, c'est que, imagine, il est en train de faire une activité stylée ou quoi, il va prendre plein de photos, et après il va les poster, genre, une fois toutes les semaines. Pour faire genre qu'il fait tout le temps des trucs intéressants alors que le mec il est tout le temps dans sa chambre en train de taffer. Il fait que des trucs comme ça, mais au final je pense que ça marche. Énorme. Ouais, bah ouais, chacun sa technique hein, de toute façon. Le ski, est-ce que vous pensez que c'est surcoté ou sous-coté ? Sous-coté. Sous-coté, ouais. Trop stylé. Ouais, incroyable. Franchement, moi aussi. Bah là, on est en train de skier à Courchevel, là. On a de la chance avec le temps, franchement. C'est. Moi, ça faisait 10 ans que je n'avais pas fait. Et franchement, je me souvenais pas que c'était aussi cool. Stylé. Ouais. Après là, en plus, on n'a pas eu de poudre. Si on a de la poudre, c'est encore plus cool. Et au-delà de l'activité en elle-même, c'est aussi entre potes, c'est encore plus stylé, je trouve. Ouais, c'est vrai que tout seul, c'est un peu moins stylé. En famille, c'est cool aussi. Moi, ça, je pense, ça, c'est un truc, franchement, que ma mère surtout a géré, c'est de nous faire faire plein de sports. C'est vraiment cool, ça. Je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment faire à ses enfants. C'est tu leur fais faire plein de sports différents et comme ça, plus tard, ils ont la... Parce que si tu commences à skier alors que t'es adulte, c'est pas la même chose quand même. Ouais. D'avoir acquéri ces caractéristiques quand t'es jeune, c'est vraiment un plus. Clairement. Faire ses études à l'étranger. Sous-côté. Tous les deux, vous allez être partis à l'étranger hein, pour ouais. Vos études. Ouais. Moi, je suis parti à Chalon-sur-Saône, à 15 ans, France, pour faire mon bac en France, en sport-études. De base, tu l'oses un peu mal. Exact. Ouais. Et toi, t'es parti en Allemagne ? Ouais, je suis parti en Allemagne, je suis parti en Australie, à Londres. Je suis parti... En fait, le point le plus important, je pense, d'aller aux études à l'étranger ou même d'aller à l'étranger, c'est que ça va énormément augmenter ton ouverture d'esprit. Et en fait, je parlais plutôt de la théorie de l'évolution là, de Darwin. Donc, tu regardes en fait les espèces, elles vont être dans certains environnements et les espèces qui survivent, c'est pas les plus intelligentes, c'est pas les plus fortes physiquement, c'est pas celles qui ont le meilleur camouflage, etc. C'est les espèces qui s'adaptent le plus vite. Et donc, c'est le cas pour survivre en tant qu'espèce, mais c'est aussi le cas dans la vie. Si tu veux réussir dans la vie, ceux qui réussissent, c'est pas les plus intelligents, c'est pas les plus forts, c'est ceux qui s'adaptent le plus vite. Et si quand t'es jeune, tu chamboules ton environnement de A à Z, tu changes tout. Les potes, la langue, la culture, l'endroit, eh ben, tu vas forcer ton cerveau à être capable de s'adapter. Mmh. Et en plus, quand tu fais ça, tu peux t'inventer une nouvelle vie. C'est ça qui est trop stylé. Moi, j'ai détesté quand on était petit, on a déménagé plusieurs fois, c'était trop chiant, j'ai changé d'école, tu perds tous tes potes, c'est horrible. Mais au moins, à chaque fois, tu dois t'adapter et tu peux te réinventer. Moi, je kiffais trop ça. Genre, j'arrivais, nouvelle classe, j'étais là, bon, ok, Yomi, cette année, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et je changeais ma personnalité. Et en fait, tu peux grave t'améliorer parce que si tu restes toujours dans le même environnement, les gens, ils vont toujours essayer de te ramener à la personne que tu étais de base. Ouais. Et ça, c'est un grand frein au fait de s'améliorer. Clairement, clairement. Ouais, moi, j'ai ressenti la même chose. Exactement pareil. Quand j'ai déménagé, j'en ai parlé tout à l'heure, je suis arrivé dans un nouveau lycée. T'as à la fois l'inquiétude et la peur de voilà, te retrouver avec des gens que tu connais pas, mais aussi t'as tout qui a à refaire. Ça me l'a refait quand je suis arrivé à Dubaï, je reprends zéro. Et à chaque fois, c'est excitant. Bah, en vrai, ça c'est un super. Ça c'est vraiment un hack qu'on peut donner aux personnes qui regardent ce podcast. Si aujourd'hui, votre vie elle vous plaît pas, vous êtes frustré, vous avez les mêmes problématiques, vous n'arrivez pas à résoudre,
vous vous sentez bloqué, arrêtez de faire, comme on l'a dit avant, la solution où tu fonces toujours dans la même direction et tu essaies toujours les trucs qui n'ont pas fonctionné par le passé, tu bourrines. Faites le sidestep, le pas de côté pour arriver à votre objectif. Et ce pas de côté, ça peut être déménager et avoir un nouveau départ. Mais tu te dis, ok, j'en ai marre, t'économises pendant 6 mois, tu choisis une ville qui te plaît et tu te barres. Et après, il faut être intelligent parce que je l'ai fait moi aussi de la mauvaise manière et ça peut aussi te mettre dans une situation qui est vraiment pas top. Moi, je suis allé en Australie, j'ai passé un mois d'enfer parce que je l'ai mal géré le truc. Je suis allé là-bas, j'étais dans une ville où il y avait beaucoup de gens qui voyageaient tout le temps, donc en fait, j'arrivais pas à me faire de nouveaux potes. Voilà, là-bas, je me sentais aussi pas mal seul. Et au final, ça m'a pas apporté grand-chose. Et après, je l'ai fait la même chose à Londres, mais là, je l'ai mieux géré. Et ça a été un des trucs les plus transformatifs de ma vie. Donc, c'est tu choisis un endroit et quand t'es là-bas, il faut avoir un plan pour te faire des potes. Donc on peut reprendre les trucs qu'on a dit avant. Un intérêt avec lequel tu vas pouvoir connecter. Donc réfléchir déjà à ça à l'avance. Ça peut être s'inscrire dans des clubs de sport, etc. Se forcer à sortir, rencontrer de nouvelles personnes. Et puis avoir un objectif. Genre ton objectif c'est quoi ? Devenir meilleur socialement, peut-être la séduction, peut-être le business, etc. Donc si par exemple ton objectif c'est business, je sais pas, tu bouges dans une ville où il y a pas mal d'entrepreneurs, tu trouves un moyen de rencontrer ces nouveaux entrepreneurs, tu as un objectif business qui est clair et tu vas. Et en fait, le fait de changer d'environnement, ça va permettre à ton cerveau de comprendre, ah ok, nouveau départ, toutes les habitudes que j'avais avant, la personne que j'étais avant, l'identité que j'avais avant, elle est liée en fait à cet environnement d'avant. Et donc si tu arrives dans le nouvel environnement et que tu pars avec la bonne impulsion, les bons efforts, les bonnes actions, les bonnes nouvelles habitudes, ton cerveau arrivera beaucoup plus facilement à changer ton identité et à devenir une nouvelle personne. Il y a une étude super intéressante qui est connue par rapport à ça, par rapport aux soldats américains qui étaient au Vietnam. Il y avait 20% je pense des soldats américains qui étaient accros à l'héroïne parce que là-bas tout le monde en consommait. Et quand ils sont rentrés aux États-Unis, l'État américain avait extrêmement peur qu'il y ait énormément de vétérans américains qui soient accros à l'héroïne. Et en fait, on avait projeté, je sais pas, peut-être 15% d'addicts et en fait il n'y en a eu que 2. Je mélange les stats, mais c'est plus ou moins ça. Parce que l'héroïne en fait et cette addiction est restée liée à leur ancien environnement. Quand ils sont arrivés aux US, ils ont retrouvé leur famille, ils ont eu un cercle social, ils savaient pas où trouver de l'héroïne, ils avaient plus les potes avec qui ils prenaient de l'héroïne, ils avaient plus tous ces triggers en rapport avec leur addiction. Et du coup il y a extrêmement peu de ces soldats qui sont restés accros. Et quand on sait que l'héroïne est une des drogues les plus fortes et avec l'accoutumance la plus élevée, le fait peut-être que certaines personnes aient des mauvaises habitudes où ils sont fainéants, où ils ne se challengent pas dans leur vie, où ils ne connectent pas avec les autres. Tous ces trucs-là, c'est des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est très similaire à en fait, une mauvaise addiction. C'est un peu la même chose. C'est un comportement qu'on fait en boucle et qui nous dessert. On peut, tout comme ces soldats américains ont laissé leur addiction au Vietnam, vous pouvez laisser vos mauvaises habitudes dans l'endroit où vous avez vécu jusqu'à maintenant. Clairement. C'est une très belle opportunité de se recréer plusieurs fois et d'évoluer. Évolution, comme dans Pokémon. Ouais. Transformez-vous de Magikarp à Léviathan. Non, c'est ça ? Léviator. Léviathan, je crois. Non, Léviator. Léviator. Deuxième jeu. On a fait un peu de surcôté, sous-côté. Je vous propose un petit quiz. Est-ce que vous avez les neurones qui sont chauds, qui sont frais ? Alors, il faut savoir qu'on a déjà fait ce jeu-là à Courchevel et que Canou enchaîner les bonnes réponses, donc j'espère qu'il va rester. J'ai mis un peu la pression. J'espère qu'il va rester sur sa lancée. Et je vous propose un quiz un peu spécial. Alors j'ai peur que ce soit très axé culture française et que vous, au final, vous connaissiez pas trop parce que vous l'avez pas fait à l'école. Mais c'est le quiz de culture générale de Miss France 2024. Waouh! Que je vous propose. Donc on va attaquer direct avec une question sur le code civil en France. Est-ce que ça tourne vous parle un peu ton truc. Est-ce que ça vous parle ou pas? Sinon, je vais c'est quoi, c'est celui qui répond le plus rapidement ou on dit chaque... Alors, c'est quoi moi, ce que je vous propose, c'est que déjà, je pose la question. Vous avez l'opportunité de répondre directement si vous l'avez. On a le droit de répondre alors que t'as pas fini la question? Non. Pourquoi? C'est marrant. Parce que c'est moi le Game Master. C'est drôle de pré-shot. J'aime bien pré-shot. Non, il faut attendre la fin de la question. Et du coup, si vous n'avez pas de réponse, je vous propose 3 solutions et vous en choisissez une. Et là, c'est pas le premier, c'est juste...
Là, vous attendez que je dise les trois, et ensuite, vous prenez la parole. Ouais. C'est bizarre, ton truc. Pourquoi ? Tu veux faire quoi ? Bah, quand tu donnes les réponses, qu'il n'y a pas de... Il y a pas de... C'est pas le premier, c'est juste, tu vois, si on a les deux la même réponse, bah voilà, égalité. Si on a une réponse différente, bah y en a un qui gagne, okay. Tu vois. Ok, on fait comme ça. Ok, cool. Quel personnage historique est à l'origine du code civil en France ? Je sais pas si vous l'avez étudié. Charles de Gaulle. Oh, non mais quand c'est faux, faut qu'on continue, hein, c'est ça. C'est ça, hein ? Attends. C'est pas la bonne réponse. Ok, Mitterrand. Non. Napoléon, c'est Napoléon. C'est Napoléon. Ouais, c'est Napoléon, je suis con. Putain ? Ouais, je le savais en plus. Pour un Suisse ? Aucune idée, quoi. Quel homme a lancé en février 1954, en pleine vague de froid en France, un appel d'urgence pour venir en aide aux sans-abri ? 1954 ? Ouais. Charles de Gaulle ? Non. Je connais aucun... Franchement, Giscard d'Estaing ? Non. Vous voulez les trois propositions ? Vas-y. René Coty, Coluche ou l'abbé Pierre ? Coluche. Non. Abbé Pierre. C'est l'abbé Pierre. 2-0. Question suivante. En 1965, quel nouveau droit les femmes ont-elles obtenu en France ? De pouvoir avoir leur propre compte en banque. C'est pas le droit de vote ? C'est le compte en banque. 3-0. À combien estime-t-on le pourcentage d'eau douce sur Terre ? 3%. 15, non. 5. 15. 10. 9, non. 8, non. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, soit 95%, soit 20%, soit 7,5%, 20. Soit 2,5%. 2,5%. C'est 2,5. J'ai dit 3 avant, mec. Mais c'est bon, mais c'est pas 3, mec. Bah non. Oh là là, je savais 2,5, que c'était 2,5, c'est 2,5. 3-0. Qu'est-ce qu'une 4. Plante 4-0. Qu'est-ce qu'une plante endémique ? Une quoi ? Une plante endémique. Une plante qui se mange elle-même ? Non. Soit c'est une espèce qui propage une maladie, soit c'est une espèce qui ne se développe que dans une région géographique limitée, soit c'est une espèce carnivore, soit c'est une espèce implantée par l'homme hors de son territoire d'origine. Implantée par l'homme. La dernière ? Ouais, moi aussi. Non, c'est pas ça. Putain, alors c'est la maladie. Non plus. C'est quoi ? Le truc géographique, là. Ouais, c'est ça. Ah ouais, putain. Là, tu vois quoi, ça compte pas, du coup, une non ? Une plante endémique. Ouais, ça compte, ouais. En vrai, ça compte, hein. Quoi ? Par élimination. Ah, mais moi, je suis pour... Pff, ok. Bon. C'est, mais lui, de toute façon, il change les règles 4-1. Pour me désavantager. Ouais, à chaque fois, il fait ça. avec... Ce qu'il a envie que ce soit serré. Ah, putain. Okay, quelle cérémonie récompense le monde de la musique aux États-Unis ? Les Awards, les Grammys. J'ai dit avant, gros. C'est Grammys ? Il a dit en premier. Ouais, c'est ça. Qui est l'auteur de cette célèbre citation ? On ne naît pas femme, on le devient. Oh putain, je l'ai. Oh, elle s'appelle comment cette meuf ? Attends. C'est. Beauvoir. Simone de Beauvoir. Ouais, c'est ça. 6-2. Question suivante. Sur quelle main le penseur de Rodin appuie-t-il son menton ? Droite. Gauche. Droit. Vous choisirez. Hein. Gauche. C'était droit. Fuck. Bien joué, Ganou. Mais j'ai dit droit en premier. Hein. C'est gauche, c'est premier. Mais mec, t'as c'est dit le droit, gauche. Faut choisir. Les règles, concrètement, c'est la première réponse juste. Donc, Non. Faut premier, faire un choix. Non, j'ai dit avant toi. Tu peux retirer. Ah ouais ? Je sais. 3-5. Non, j'ai 6. 3-6. Non, il change. Faut être pronto avec lui. Dans la suite de quel film mythique des années 80, Tom Cruise a-t-il repris Mission Impossible. Son rôle de Maverick Top Gun. Mitchell en 2022. C'est Top Gun. Il a mis plus rapide. Tu devais attendre la fin de la question avant ça, donc c'est moi qui... Ah, c'est vrai. Non, parce que toi aussi tu l'as dit avant qu'il ait fini. Top Gun. Non, je l'ai redit après et il avait fini. 0-0. Mais mec, laisse-nous pré-shot, sérieusement, c'est mieux. Non, c'est jusqu'à mais la fin. Mais c'est mieux, pré-shot, c'est plus drôle. Faut être prêt. Self-control. Il y a quoi, là, il y a combien ? 6-3. Non, j'ai 7. Non, on n'a pas compté le point. Non, mais même depuis avant, j'ai 7. Non, t'avais 6 avant. Non, j'ai 7. Non, t'avais 6. On a fait 10 questions.
Bah oui, 7-3 du coup. Mais non, parce que celle-là, on l'a compris. C'est la 10ème, celle-là. J'ai une triche aussi. 6-3. Dans quel pays se déroulera la Coupe du Monde de rugby en 2027? France. Angleterre. Non. Australie. Australie. Il a dit les deux en même temps. Ah putain. Australie. 6-3 toujours. Quel pays a intégré la zone euro en 2023? Waouh. L'Ukraine. Non, la Suède. La Suède, Danemark, Finlande. En Détroit. Suède, Danemark ou Finlande. Non. Quoi? Norvège. Non. Quoi? Finlande. L'Union Européenne en 2023? Ouais. Vous voulez des propositions? Vas-y. Soit l'Ukraine. J'ai dit l'Ukraine. Hein. Soit l'Albanie. Soit la Croatie. L'Albanie. Alors on doit choisir et tu vas dire c'est vrai ou... Bah oui, là, il a bon, Albanie du coup. Albanie, ouais. Moi, bah non, c'est la Croatie. Ouais, je m'en fous, de toute façon, j'ai juste pas envie qu'ils me prennent des points. C'est quoi, c'est le premier à 10? Ouais. 6-3. Quelle grande actrice française a prêté son image pour l'affiche du Festival de Cannes 2023? Manon Cotillard. Non. Je connais aucune autre actrice française. Depp. Lily Rose Depp. Non. Isabelle Huppert ou Catherine Deneuve? Catherine Deneuve. Ouais. J'ai dit... Ah, il l'a dit en premier. 6-4. Non, hé, gros. Non, il y a pas de ça. Non, on a dit depuis le début très clairement quand tu donnes les options, il y a pas de vitesse. Non, il y a pas de ça. Là. Ok, voilà, allez, ça compte pas. Mais faut avoir des boundaries quand même là. Quel prix Nobel les deux Français Anne L'Huillier et Pierre Agostini ont-ils reçu en 2023? Prix Nobel. Prix Nobel de français? Le français du coup? Non. Les deux Français. Ok, physique, mathématiques. Physique. Ok. 7-3. Quelle ville a organisé la COP 28 en 2023? Dubaï. Dubaï. Ah ouais, putain, Dubaï. Dubaï. Ouais. Pourquoi j'ai dit Bali? Il y avait un truc à Bali. J'étais la UAE, je buguais. Quelle pâtissière française est la première femme à avoir été sacrée meilleure pâtissière du monde en octobre 2023? Tu connais les pâtissières, toi? Aucune idée. Nina Métayer, Jessica Préalpato ou Christelle Brua? Tu as choisi la même fois, hein. Christelle Brua. Ouais, Christelle. Non. Mais si je choisis le même coup, vas-y, choisis en premier. Choisissez une autre. Oh, c'est Nina ou Jessica? Ben non, choisis toi en premier, je choisis le premier. Nina. Ok, bah, je choisis l'autre. Non, c'est Nina. Tu veux ça, toi? Moi aussi, je prends la chance. 9-3. Ok, balle de match. Quel événement a été célébré le 6 mai 2023 au Royaume-Uni? Le funérailles de la reine. Queen. Le sacre de Charles. De roi. Le sacre de quoi? Du roi Charles. Charles. C'est ça. C'est moi. Je l'ai dit en premier. Charles, ça peut être n'importe qui, Charles. Charles III, pour être précis. Bravo, Yumi. Félicitations. Bien joué. C'était... T'as de la chance. On a appris des trucs. Je suis champion en titre du quiz de son permission, là. Ouais. T'as gagné contre... L'autre version n'est pas encore sortie, hein. Hein? L'autre version n'est pas encore sortie. T'as gagné contre... Contre Ous. Ça va? Franchement, tu m'as surpris ce jour-là, parce que... Oussama, je me suis dit qu'il allait vraiment être très très chaud. Parce qu'il n'y avait pas d'enjeu, c'est pour ça que j'ai perdu. Tu vois, pas de compétition. Pas de... Ouais, ton honneur. Reward. Vous voulez faire un autre jeu? Ouais, vas-y. Tu préfères. Tu préfères ça ou tu préfères ça? Assez simple. Tu préfères avoir un bouton de retour en arrière pour ta vie ou un bouton de pause? Ah, retour en arrière, tu vas faire quoi avec une pause? Je sais pas si tu kiffes ta life de ouf. C'est quoi, tu restes jeune, tu restes... Non, pas sur la même journée. Tu restes à cet âge-là. Si tu peux revenir en arrière, tu peux aussi rester jeune. Hein. Ouais, mais t'as pas le niveau de succès potentiellement que t'as à l'heure actuelle. T'as pas la vie que t'as là. Tu sais ce qui va se passer, donc t'es riche automatiquement. Tu mets de l'argent sur Bitcoin. Ok, donc toi, tu ferais retour en arrière. Ouais. Ah, retour en arrière, c'est cheaté. Ouais, je pense que c'est... Toi aussi, Canou. En plus, moi, c'est un truc que je trouve trop stylé, c'est les gens qui arrivent à prédire ce qui va se passer. Ouais. J'ai toujours trop kiffé ça. Genre, Conor McGregor, quand il disait,
comment il allait mettre KO les mecs et qu'il les mettait KO exactement comme ça. Doumbé aussi, il a réussi pas mal de fois. C'est trop stylé, je trouve. Il va y avoir un combat là entre Doumbé et Baki. Baki, ouais. Tu vois, c'est que Doumbé il a perdu contre. C'est pas que la base, contre Zana là. Yohan Kongolo. Ouais. Ah, la Suisse. C'était un Suisse, le gars ? Ouais. Ouais, je suis peu pour. Ah, il est dopé ? Ouais. Ah merde. C'est Drink Doumbé ou le gars qui l'a battu ? Le gars qui l'a battu. Après, je pense qu'ils sont tous chargés. Hein. Ouais, bah. Doumbé, il a pas l'air, hein, en tout cas. C'est quoi, physiquement ? Ouais. Même, comment il s'appelle l'autre là ? Celui qui est ultra agressif. Aux US. Strickland ? Non, c'est un Renoir. Jones ? Ouais. Lui, il est chargé, mais physiquement, tu le vois pas. T'as pas l'impression. Bon, après, c'est. Ouais, c'est semi-prouvé qu'il était chargé. Je pense qu'il a été positif à des contrôles antidopage. Il a été positif. Stéroïde. À la. Hormone de croissance. Non, il a été stéroïde, mais il y avait seulement quelques picogrammes. Donc ça aurait très bien pu être avec un supplément teinté ou genre de truc. Ok. C'est probable. Tu préfères vivre dans un monde sans musique ou vivre dans un monde sans livres ? Sans livres. Sans livres. Vidéo YouTube. Musique, trop important. La musique, ouais. Tu préfères pouvoir lire dans les pensées des autres ou voir dans le futur ? Ça va être horrible de pouvoir lire dans les pensées des autres. Ouais, horrible. Mec, tout le monde a des sales pensées, absolument tout le monde. Et donc, c'est-à-dire que tous tes proches, tu saurais toutes leurs... Mec, j'ai pas envie de savoir les pensées les plus sombres de mes proches, franchement. Mais... T'imagines ? Et voir dans le futur. C'est tous les trucs qu'ils ont fait, tous les trucs qu'ils pensent. Ouais. Il y a forcément un truc qui va te blesser de ouf. Putain, c'est horrible, tu peux plus regarder personne dans les yeux, je pense. Et voir dans le futur, tu trouves pas ça horrible ? Tu sais, quand tu vas mourir... C'est un peu le pire truc que tu peux savoir, après. Ouais. C'est vrai qu'il y a plus de suspense. Il y a plus de suspense, tu perds un peu tout, quoi. Ah, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est vrai, c'est les deux des questions pièges, hein. Mais lire dans les pensées, tu peux choisir... Est-ce que tu peux choisir de le faire ou de pas le faire ? Ou est-ce que tu le fais constamment Non, tu le lis comme un livre, ça se projette. Ok, le futur aussi, tu sais tout. Tu peux pas te dire « Ah, j'ai envie de savoir ça ». Non. Ouais. Chiant de ouf, les deux. Ouais, je sais pas. Moi, je pense... je préférerais voir dans le futur, quand même. Ouais. Les pensées, c'est dark. Ouais. Tu préfères qu'on te donne 10 millions d'euros tout de suite ou savoir faire 100 000 euros à coup sûr ? Bah, je sais déjà faire 100 000 euros à coup sûr, donc 10 millions. Ok. Donc, à nous ? Ouais, 10 millions aussi. 10 millions ? 10 millions, si t'es pas trop convaincu. Après, ça dépend, tu peux faire 100 000 à coup sûr à l'infini. Quand ces questions, c'est tu peux les cheater à chaque fois. C'est toi qui cherches la complexité. Mais enfin, je suis désolé, je suis obligé de bien répondre à la question. Combien de fois 100 000 euros à coup sûr ? Ouais, bah je pense. Une fois, théoriquement, c'est juste si tu perds tes 100 000 euros, tu sais les refaire assez rapidement, quoi. Ah ouais. Alors... VS, 10 millions où t'as zéro compétence, t'es un peu. Dième. Tu les places, quoi. T'investis et tu te fais. 10 millions, c'est 100 fois 100 000 euros. Hein. C'est quand même beaucoup. Ouais. Et à 10% par an, ça fait. Tu les fais. Un M par an, quoi. Tu les fais en un mois. Ouais, 83 000. Quatrième jeu. Qui est-ce ? Je vous donne. C'est une compète de nouveau ? Oh ouais. Putain. Je vous donne. Le truc, c'est que je peux pas perdre contre mon petit frère en live, donc j'ai énormément de pression, ça. Je vous donne trois trucs. J'ai pas envie de me retrouver dans cette situation, il va me faire chier jusqu'à la fin de ma vie si je perds un jeu en live. Je vais le couper, je vais demander à quelqu'un de faire. Ouais, il va poster ça sur son Insta, le mec. Et toutes les semaines, il va le reposter en story. Je vous donne trois indices. Throwback Thursday, mec, à chaque fois. Tous les mardis, mec. Je vous donne trois indices et vous devez trouver la personne qui correspond. Okay. Premier à 10 ? Premier, non. Là, on en a 10 dans la liste. Donc, okay, c'est celui qui fait le plus sur les 10. Celui qui fait le plus. Best of 10. Artiste polyvalente. Grammy Awards. A Star is Born. Alicia Keys. Non. Taylor Swift. Non. Beyoncé. Non. Rihanna. Non.
Vous pouvez me poser des questions et je dis oui ou non. Elle a quel âge? Il fait un chacun. Non, je connais pas par cœur la vie de la personne, mais je vais essayer de répondre. Okay. Vas-y, tu poses une question, je pose une question, tu poses une question, je pose une question. Vas-y. Et après, on peut quand même répondre n'importe quoi. Moins de 40 ans? Ouais. Blanche? Ouais. Jennifer Lopez? Christina Aguilera? Non. Punk. A Star Is Born? Ah, Madonna? Non. Putain, Céline Dion? Non. Et on se trouve là? Elle pose une question, gros. Lady Gaga? C'est ça, Lady Gaga, oh, bravo! Putain. 1-0. Faut arrêter la barre là-dessus parce que. Deuxième question. Trilogie, responsabilité, rouge. Fast and Furious. Non. Trilogie, responsabilité, rouge. Et je rajoute film. Matrix. Non. What? Responsabilité. Responsabilité. Et une quote très connue. Oui, ok, j'ai la quote. Oh non! Avec un nous. Rouge. Gladiator? Rouge. Rouge. Vous l'avez? Ouais, il est lent. Spider-Man! Ouais, c'est ça, Spider-Man. C'est galère! Ben ah oui. Putain, c'est great, with great power comes great responsibility. Putain, je suis trop con, merde. C'est ça. Ah, oh, le con. Moi, je pensais au rock, j'étais ouais, là, moi aussi, de suis, quoi aussi, mais... Bon, alors là, j'ai pas un rêve, mais je vais quand même vous le faire. Fourchette, colère, britannique. Gordon Ramsay. Exactement. Mais va te faire. Oh, ça me casse pas comme ça. 3-0. Ça me saoule, ça me saoule. 3 à rien. Ça me saoule, ça me saoule. Voilà, c'est. C'est bon. Personnalité 4. Allez, go. Actualité. Hugo Décrypte. 2025. Voiture. C'est toujours des personnes. Hein. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Non. Macron. Sportif. Superstar. Kylian Mbappé. Charles Leclerc. Non. Ah, Lewis Hamilton. Exactement. C'est avec Ferrari 2025. C'est ça, hein? Ouais, il est trop chaud. Oh, putain. 4-0. Personnalité 5. C'est en train de me vénère. Costume. Alors, celui-là, il est énorme. On a besoin d'attendre que tu finisses les 3 ou on peut pré-shot? Vous pouvez pré-shot. Ok. Costume. James Bond. Scooter. Politique. Mr. Beans. Macron. Mélenchon. Hollande. Hidalgo. Hollande. Pourquoi oui. Le scooter? Oui, c'est vrai. L'histoire là, tu sais, où il avait trompé sa femme. Il était sur le scooter. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas suivi. T'avais pas suivi? 4-1. Putain. C'est bon, je remonte là. Remonte à bas. Réseaux sociaux. Instagram. Star. Mbappé. Là, lui. Muet. Kabilam. 4-2. Putain, c'est encore un sinon. Blond. Danton Blanco. Marteau. Héros. Thor. Ouais. 4-3. Attention. Personnalité 8. Panoplie de gadgets. Mission Impossible, James Bond. Couleur noire. Mr. Beans. 2005. Men in Black. James. Terminator. Comment il s'appelle? Will Smith? Non. C'est un film. Mais du coup, c'est pas une personnalité. Bah, je dis panoplie de gadgets, couleur noire, 2005. Men in Black? Inspecteur Gadget. Non. Le diable s'habille en Prada. Non. Attends, vas-y, redis les trucs. Marvel. Gadget, couleur noire. Iron Man. Batman. Oh yes, putain. Oh putain. 4-4. Oh fuck. Là, c'est serré, là. Là, putain. Attention. Ouvrez bien les écoutilles. TV, basket, business. Tony Parker. Exactement. C'est quoi, ça? TV, basket, business. C'est quoi? Il a fait le nouveau truc avec Anthony Bourbon, là. Qui va être mon associé. Pourquoi TV?
qui va être mon associé. Ah putain. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'on. 5-4. Attention, je peux égaliser. Je peux égaliser. Hein. Celui-là, va falloir être rapide. Terre, Toulouse, satellite. Terre, Toulouse. Terre, Toulouse, satellite. Piquet. Piquet. L'astronaute. Rugby, stade toulousain. Piquet. Terre, Toulouse, satellite. Terre, Toulouse, satellite. Thomas Pesquet. Toulouse. Thomas Pesquet. Ah putain. Piquet, ouais. 5-5. Ah, vas-y, invente-en un pour nous départager. Ok. C'est mort subite, celui qui l'a, il gagne. Chaud, je suis en PLS, là. Attends, je vais demander à ChatGPT. Aïe. Cheveux longs barbus. Chabal. Homme. Musclé. Haut. Oh. Oh. Fuck toi. Non. Aquaman. Replay. Je suis sûr, je l'ai en premier. Je l'ai. Ouais, je pense que c'est Yomi qui a gagné. J'ai. De peu, hein, mais. Mais en fait, moi je suis trop con, je l'avais depuis longtemps, mais je voulais trouver le nom de, de l'acteur. Mais après, j'ai. Et c'est ce qu'il m'a, il m'a dit le nom de l'acteur. Il s'appelle comment déjà? Jason. Ah, Momoa, voilà. Ouais. Mais voilà, les gars. Bien joué, hein. C'était serré. On a eu un beau match. Bon, t'as l'habitude, hein. Ça fait gros, t'as eu 25 de la chance, ans que tu me perds à chaque fois. Je sais pas pourquoi j'ai dit tort, putain. Man. On était en PLS, les gars. T'es pas bien, hein. Ah, mais je peux pas faire contre lui. Ah non, c'est le pire truc qui peut m'arriver, c'est perdre contre lui. Tu sais que quand j'étais petit, mais je crois que j'en ai parlé dans un podcast, j'ai arrêté de jouer au Uno. Parce que je perdais, vu que c'était de la chance. Et lui, il est chanceux, donc il me battait. Ça me faisait tellement rager que je me suis dit que je jouais plus aux jeux de hasard. C'est pas de la chance. Donc ça fait des années que tous les jeux de hasard, j'y joue plus. Ah oui. Ouais. Et que vous avez joué à Call of? Beaucoup de hasard dedans. Vous avez joué à Call of? Ouais, ouais, Call of. L'un contre l'autre. Ouais. Bah, c'est ben, qui, je l'ai battu trois fois là. C'est les derniers jours. Trois fois, je ouais, l'ai battu une fois. Non, trois fois, mon dieu. Je sais pas si t'es sur les trois fois. Ah bah on a joué trois fois contre, j'ai battu les trois fois. Réglé. J'ai téléchargé le nouveau en plus. Ouais, pas de soucis. Je vais faire un trickshot. Y a des c'est contre toi que j'ai mis le trickshot à la fin. Non, c'est contre Antoine. Hein? Non, c'est pas contre Antoine. Non, c'est pas contre moi. C'est contre Quentin alors. Ouais. J'ai mis un 3, ouais, je suis pris le trickshot moi. Hein? J'ai pas pris le trickshot moi. On a fait des petits tournois de Call of et Antoine a gagné d'ailleurs. Ouais. J'ai battu. Il a gagné au snipe. À l'arme, je l'ai battu. Quel plaisir de battre Yomi. Je pouvais pas vous imaginer. Il fallait. Je sentais que tu vois, à force de perdre, tu vois, genre, non. Toutes les compétitions qu'on a eues, je me suis dit, tu vas mal te sentir. Je te laisse un peu avoir dessus. Accepte que t'as un niveau inférieur à moi. À Call of Duty. Non. Pas sur une. Après, c'est vrai, on a fait deux parties, mais après j'étais éclaté. Merci. Et en plus, c'était pas elle qui appuyait à vous. Si c'était elle. Ouais, une ah fois oui, sur 10, ça. Ah oui, j'avais oublié ça, merci de me le rappeler. Il faut savoir que j'ai joué avec ma copine qui a jamais joué à Call of Duty. Donc moi, en gros, je tenais la manette à moitié, elle l'autre moitié, et on arrivait quand même à battre Yomi. Ouais, sauf que c'est toi qui appuyais sur l'autre bouton. Non. Et que j'étais bourré. Voilà, hein, c'est good. Hein. Fini ? On a fait le tour. Y'a rien d'autre ? Si, y'a plein d'autres trucs, mais... Y'avait pas le truc de Network, ça ? Je peux vous faire les records les plus fous du Guinness en 2023, si vous voulez. Tu vas juste, tu les dis, quoi. Ouais, vous me dites ce que ça vous inspire, quoi. La plus grande pizza, selon vous, elle fait combien? 50 mètres. Non. C'est en carré, déjà, c'est... 50 mètres carrés. Non. 500 mètres carrés. Non. 100 mètres carrés. Non. 10 mètres carrés. 1296 mètres carrés. Ouais. C'est une grosse pizza. 100 mètres sur 100 mètres. 110 mètres sur 110. What? Putain. C'est une grosse pizza. La plus grosse somme remportée dans une loterie nationale. 280 millions. Ah non, il y a un truc aux États-Unis. 1,85 milliard. Ouais. Edwin Castro, il a payé son ticket de dollars. Mais je crois qu'à la fin, il a eu moins de 1 milliard après taxe. Le mec. Ok. Mais quand même. Sympa. Saleté. Hein. La ça peut être illégal. Moi, je trouve que c'est énorme, la loterie. Trop, comme ça.
on crée de la chance pour les gens, c'est bon. Il y a déjà assez d'inégalités dans le monde. Ouais. Tu récompenses des gens pour des mauvaises décisions. C'est quoi cette histoire? Ouais. Bon, après, tu punis aussi énormément de gens pour des mauvaises décisions. Tu sais que la Française des Jeux, ça rapporte énormément à l'État français. Hein. Ouais. C'est pour ça que c'est légal. Ouais. C'est une addiction. C'est une addiction. Ah, le jeu qui détruit des vies. Mais vu que c'est l'État qui en profite, on le laisse. Montrer que l'État ne sert pas toujours notre meilleur intérêt. La personne qui est restée le plus longtemps en position planche. Ouais, il y a des malades mentaux. Ouais, sur 24 heures, comme ça. 36 heures. Non. 48 heures. Non, quand même pas, oh. Je te jure, 48 malades, heures. 20, 25, 26, 28. Non, c'est moins. Tu sais, ceux qui sont tout petits, c'est facile. 16 heures. 9h38 minutes. Seulement 47 ouais. secondes. Ben, c'est énorme déjà. Moi je fais la moitié. Hein. La moitié en minutes. 4 minutes. 30 j'arrive peut-être. Voilà. C'est les trois records les plus fous du Guinness en 2023. Il s'en passe des choses hein, sur cette planète. Vas-y, fais une conclusion bizarre. On n'a jamais fait. Conclusion bizarre ? Ouais. Putain, j'avais bien aimé ma bizarrerie. Franchement, elle était très stylée. Va falloir faire mieux. Je sais que tu vas avoir une idée. Moi ? Là, je veux une conclusion bizarre ? Non. Voilà. Oh, finis ça. Allez, à la vôtre. Hein. Oh, en plus, je... Oh. C'est les vacances les amis, on boit pas d'habitude, une petite semaine tous les deux mois. Tous les deux mois ? Ouais. Tous les six mois. Non, moi je fais une semaine tous les deux mois cette année. Ah, de vacances ? Ouais. Ok. Bon. Boire avec modération. Merci Canou pour ta présence. Merci Canou. Toujours un plaisir. À la prochaine les amis. Ciao ciao. Sans permission. Sans permission. Sans permission. Avec Yomi. Sama, Sam!